Il est 7h, bienvenue dans Pacifique Matin. Nous sommes le mardi 29 septembre 2020. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la troisième sortie, en fait à la deuxième sortie de Pacifique Matin pour cette semaine. Bonjour Jacques. Bonjour tout le monde. Bonjour à Olivier, bonjour à toi d'Angers, là où tu es. Et à la une de l'actualité, assassinat par balle le dimanche 27 septembre du pasteur Quétan Jean-Philippe ainsi que son épouse Erna Plancher à Onaville, de la commune de la Croix-des-Bouquets par des individus armés. Les deux victimes qui résidaient aux États-Unis étaient entrées en Haïti il y a environ un mois. Et un mois après l'assassinat du professeur Montferrier Dorval, ses exécutants et complices sont en passe d'être identifiés selon un rapport du bureau des affaires criminelles de la direction centrale de la police judiciaire soumis aux autorités judiciaires. Et dans cette même affaire, Renaud Régis, c'est le nom du juge qui a été désigné pour poursuivre au cabinet d'instruction le dossier d'enquête sur l'assassinat de l'ancien bâtonnier Montferrier Dorval. Des partis politiques de l'opposition continuent d'appeler à l'unité en vue d'obtenir la démission du président de la République, Jovenel Moïse. Et nous parlerons aussi de cette journée internationale de la contraception célébrée le 26 septembre 2020, une occasion pour les responsables de la pro-famille de souligner l'importance de la planification familiale au sein de la société haïtienne. Et à l'étranger, nous parlerons des révélations du New York Times. Trump aurait payé $750 dépôt l'année de son élection. Et dans le billet de Jacques Boise. Toujours dans l'international, oui. Et par rapport à Trump, il faut dire que le premier débat présidentiel aura lieu ce soir entre les deux candidats. Bon, entre le candidat Joe Biden et le président sortant et Donald Trump et ce soir à partir de 7h30. Justement. Et crise haïtienne, bouc émissaire à volonté, le deuxième titre de billet pour Jacques pour cette semaine. Bon billet. Jacques, déjà, parce que nous pensons que le sujet ça pourrait intéresser un peu le monde, nous avons tout à l'heure pour le développement de titre ça à Campilote encore.
Il est 7h05 minutes. Encore une fois, bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Un plaisir de vous retrouver pour cette deuxième sortie de Pacifique Matin, rédigée par Mario Sylvain Noclès-Débréus, mise en onde par Olivier Bouchot et présentée par Jacques Amboise, Jean-Fouchard d'Angers, Moïse Saint-Éloi. Oui, bonjour Jacques, nous en forme. Et nous là, chaque jour dans nos histoires au rambolesque. Et une histoire au moins des côtés sans souci. Insolite. Et pendant que je dis ça là, vous ne savez pas beaucoup comprendre qui ça qui fait dans le pays là, chaque semaine, autant d'informations différentes qu'on ne pas penser que tu es 4 ans, qu'on ne pas penser que tu es arrivé. Par exemple, et pour qui ça ne pas dire insolite, et seulement parce qu'il y a des informations et vraiment qui étaient chargées, étant des insolites. Mais si on prend l'assassinat de Dorval, ça n'a pas de cas insolite. Oui. Comme si l'intégrité de toute autre cause en actualité, et pour une nouvelle qui vient, bing! Les faits, mais ça qui était là avant. Comme si il tellement. On va dire comme si nous avons un laboratoire pour et bailler ce genre d'informations. Et là nous pas pousser insolite et là nous pas pousser gros information comme si qui soulever les moi parce que dans tout ça qu'on attendait pour qu'on gagne une nouvelle réjouissante qui fait tout le monde content une nouvelle comme si pour tout le monde d'accord dit ah et mais tel bagage qui fait nous content et gens ça a passé bon t'as semblé dollars seulement que t'as une bonne nouvelle dollars qui a perdu oui même nous là c'est vrai que c'est une bonne nouvelle dans une certaine mesure mais ou est mon père parce que il dit ça pour être fait pour dollar t'arriver dans situation ça il pas fait c'est trop beau pour être vrai même si tout de l'autre côté par exemple pour ceux qui veulent être et optimistes comme je le suis toujours dans la vie et nous dit que mon frère c'est Octave Dissala qui a posé ou posé faire la question ou posé la bourse à question, et la bourse à lui-même de avancé lui, pour lui dire que il a dit et dollars, j'en l'ai là, c'est 60 gouttes d'état douillé par rapport à... Et hier, il était 65 gouttes. Et maintenant, il y a pas qu'un côté il y a joint et d'ailleurs, la bourse à l'abdi, ça n'est pas qu'on est comme si, et ou au final, il a dit que oui, et il peut qu'on l'était au réel, pour qu'on l'a pour qu'il t'a fait que les 60 gouttes. Mais la bourse a été d'accord en sa parole, me dit effectivement, prix dollar par rapport au marché a t'a doué 60 gouttes. C'est-à-dire, et dans l'explication qu'elle a cherché pour dollar qui descend, et dans 65 gouttes hier, ça veut dire, bagala était tellement allé loin. Et que quand il y a la grand bémol qui mettait, grand haut là qui dit, grand tonnerre, on frappe pied, ça veut dire qu'il commençait à vouloir reprendre place. Là. Et tout comme nous avons invité là tout, qui dit nous, on pouvait fixer un prix et un taux d'échange fixe pour dollars pendant un certain temps. Oui. Et nous avons mis le stable. Mettez le stable pendant un certain temps. Nous fixer et causer. Donc, maintenant, dans l'insolite là, on côté nomba Massa lui-même sorti pour le venir. Et où bon, gain lettre là que ministère des Affaires étrangères des cultes écrit monsieur Karl Henri Châtelier premier secrétaire responsable du service consulaire d'ambassade d'Haïti aux Bahamas monsieur je vous informe qu'il a été décidé de mettre fin à vos fonctions de premier secrétaire responsable du service consulaire à l'ambassade d'Haïti aux Bahamas cette décision est effective immédiatement tout en vous remerciant pour vos services, je vous renouvelle, monsieur, l'assurance de mes considérations distinguées. C'est signé Dr. Claude Joseph, ministre, et vu et approuvé par son Excellence, monsieur Joseph Jout, premier ministre. On l'est tout coûte, il écrit citoyen, puis il dit citoyen. Nous te prenons plaisir de collaborer avec vous dans le consulat après vidéo que nous connaissons. Et citoyen, ça a même l'été fait, qui te prend la rue côté que. Il y a une scène sexuelle que le citoyen lui-même a produit et ça qui part lié avec et bon mettre des principes moraux de la société à, et Jacques bon, parce que madame, ça aussi des actions qui très intimes qui pas qu'à publier comme ça moi je pense que premièrement son erreur qui glissait
Soyez qui glissé. Et comment monsieur fait vous? Ça son faute grave. Comment, non, c'est-à-dire monsieur gagne un monde pour te voir le bali, il trompe. Ou bien monde n'a le voir le bali, il voit le bon l'autre monde. Voit bon l'autre monde. OK. Qui fait que elle a publié. Ça c'est une. Et c'est sur la carrière complot pire basse en gars, grand côté yo et faut comme monsieur. Deuxième aspect côté Carol, c'est bon avec la caméra pour la faire lui. Oui. De propre gré. Mais maintenant, moi même pas regarder vidéo comme ça me baoul. Non, même moi quelque image, me regarder vidéo. Dépendamment, j'ai une vidéo à la fête là. Il te un deuxième monde dans ça là. Mais passionnant Jacques parce que les cas fait le seul ou cas arrêté là au fond vidéo pour contour ou fait oui mais là dans sa nappe d'action un mouvement il dit fait non mais ça fait mouvement pour contre lui oui mais quand même pour qu'un téléphone là comprendre c'est ça bon d'après ça moi pour est-ce que il gon main qui a metté téléphone mon côté ah OK bon il y a téléphone il a fait affaire OK ça sont oui. Et parce ça sur l'image que moi ça t'a voulu montrer. Je sais même pas regarder du tout. Et puis après monsieur a publié quelque part. C'est un monsieur malade. C'est un problème. Très malade. C'est un problème ça veut dire que et son monde qui t'a doué par exemple si c'est lui qui publie on comprend pour finir faire ça. Pour publier li. Par ça ou, c'est le plaisir du bal resto bal ça passe dans chambre même pas ça, que t'as publié le salon li parce que tête de table détruit ça salon pas besoin qu'on ait donc et là on problème mais côté ça dérangé et ça fait et pas première fois et pas première zé qui casse et qui a le gouvernement non et parce que non pas que l'autre pays où on a tendance à causer mais diplomatie dans l'autre pays yo il paye à une façon pour le capable résoudre le problème. Oui. Ça salit, ça ternit l'image d'Haïti. Oui, ça salit l'image d'Haïti, d'autant plus que et diplomatie haïtienne soit après un coup. Parce que un citoyen fait une action comme ça, même penser que mon niveau est le bali, ou bien qui t'a partagé là. Si c'est ça que t'as fait, mon ça t'a très méchant. Parce que je ne peux pas dire que citoyen t'a gagné droit. Parce que téléphone ni pour lui, call pour lui, il y a mon qui a défendu une question de droit, mais cadeau ça. Mon cadeau que citoyen téléphone ni pour lui, call pour lui, il fait ça le maintenant, c'est mon et le gagné droit partager là avec mon livre. Parce que c'est oui, jusqu'à présent, ça a été vie intime. Tout le, il y a même pas le public comme ça. Oui, ça a été vie privée. Maintenant, faire une vidéo à public, rendre vidéo à public, moun ça, les méchants. Il y a un problème. Et est-ce que. Moi, je voulais être quoi que son rire qui glissait. Son rire qui glissait. Mais côté, ça paraît anti-genre et cocasse. Ce n'est pas la première fois, dans la dernière année, ça y a eu des actes comme ça qui répétaient. Par exemple, nous sommes un directeur général qui est démissionné. Oui, qui bon, pas démissionné, non, il est mis à terre. Il est mis à terre. Parce que nous ne pouvons pas démissionner. Donc, c'est dans ça de retourner, chef. Et, bon, non. C'est de quoi je n'ai pas parlé. Guéon qui toujours. Guéon. Ça qui est dans l'ONM, non? Guéon qui était dans le ministère de l'Éducation nationale. Okay. Qui était un problème, comme ça. Et puis, Guéon, et je ne sais pas là, qui toujours chef. Oui, donc, ça veut dire que c'est des causes que nous entendons de temps à autre ces derniers temps et qui montrent que le pays a. Et mon cher, pendant ma temps de nouvelles là, un grand nègre qui montait dans la tête, Anse Deus. Et chantel de chanter à Docteur Bijou, pays à fou. On prend Haïti, Abjon. On comprend, et sur dans des musiques, ça veut dire vraiment nous dans une situation qui n'est pas facile, dans une situation qui est terrible. Qui m'a dit en pile sérénité, qui m'a dit en pile surtout dépassement de soi par rapport à Jean Mouillé, je vous dis, dans le pays pour nous capables de pousser pour devant. Bon, oui, et son situation, parce que la diplomatie haïtienne n'a pas essayé de gérer particulièrement le ministre Claude Joseph pour gérer en façon. Pour capable excuser non seulement le peuple haïtien par rapport à ça, mais une diplomatie haïtienne qui prend un coup. Après, scène ça lui-même, les films produits. N'a pas les autres dossiers qu'on y a, la direction centrale de la police judiciaire, à travers le bureau des affaires criminelles, a remis au commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince son rapport d'enquête préliminaire
autour de l'assassinat du feu Montferrier d'Orval. Il est précisé dans le document que les nommés et Maudley Sénégo, alias Abidi, Mackender Fils-Aimé, Vilpic Dunes, alias Dia, Markinson Charles, alias Cobra, Gerson Laurent, alias Tiluc Oulouko, Richelet Augustin, Johnny Toussaint et consorts se seraient associés pour assassiner le citoyen Montferrier d'Orval. L'enquête a permis de déterminer que Richelet Augustin et Johnny Toussaint se trouvaient au même moment de la perpétration de l'acte, donc il y a lieu de séduire et qu'ils sont les présumés exécutants de cet assassinat, a indiqué le rapport du BAC, Bureau des Affaires Criminelles. Le nommé Gerson Laurent était aussi dans la zone au moment des faits. Bonjour, Dengé. Bonjour, moi. Et dans le bois, vous allez, Jacques et Olivier. Vous bien dormi. Même toujours bien dormi, mais en réalité, que je ne suis pas fin habitué avec lui parce que depuis que je suis là, quand même, deux minutes et en plus de l'homme sur les autres, et bien, je suis un cafou qui pose une question. Oui, oui. Et puis, matin, je suis là, deux minutes en plus de l'homme sur les autres. Cafou 40 bien. Bon, pas 40 bien pratiquement seulement, mais 40 bien tout, mais bien en bas, mais surtout. Qui vont poser quelques questions et là on pense que yo poser questions matin et surtout et bon l'école mère qui sous boudon là et bon pas boudon non mais il me dit et tout près et dans Pétionville là tout près rentrer l'émission et il me pense que l'école ça lui même gagne plus de questions le poser matin ça différent par rapport avec l'autre jour mais nous là on a regardé me suivre nous qui a fait go bout de avant de tourner sur citoyen avant de tourner sur citoyen après que hier après-midi moi avec team monsieur ici et pendant nous sorti dans dossier nous prend deux cafou monsieur bo président et premier ministre à Pétionville là là danger nous prend plus que 60 minutes. Mm-hmm. Non blocus. Oui, ils ont toujours dérangeant. Ils vraiment nuisibles. Ils ont toujours dérangeant. Bon, malheureusement, nous sommes obligés de fonctionner avec lui, nous sommes obligés de vivre avec eux. C'est des réalités qui propres avec nous. Et bon, là, c'est un peu une question pour qui fait. Il faut que question posée et vraiment dans la société pour que nous soyons capables de connaître ce que nous avons fait, comment nous avons fait. Bon matin, et nous allons parler avec. Et, mettre en deuxième ville que depuis hier on était supposé et parler avec lui autour de ces menaces et que nous capable dit et dame n'a pas recevoir me parler de juge Wendell Coquet et Tilo et moi ouais par contre une note ça et monsieur Tilo a une note secrétaire général des primatures là mettez dehors autour de cette question et note côté que il est associé non juge de Charles Faustin ancien député du peuple ancien conseiller du président de la République qui a le rôle chef et cabinet c'est secrétaire général pardon de la primature qui est monsieur Faustin qui dit lui-même il va gagner vous louer avec question et menace qui t'a fait et sous juge Wendell Coquatello mais et il est associé non monsieur en tant que monde qui est à la base de certaines menaces que Damna lui-même, il y a reçu, M. Amboise. Mais bon, il non, monsieur, à ta main, tu vas sur. Non, mais c'est pas tout à fait goût, tout au débat. Oui, bon, c'est pas débat. Mon citoyen qui sortait, il dit que. Mon cher, il y a qui est plus important. Pour me parler de M. ça. Et qui fait nos montres là, qui bat. Il bon, nous appelle de badard bidou. Bon, en tout cas, c'est grave. Et là, c'est que il y a plusieurs aspects dans le dossier ça pour nous capables de garder. Nous allons parler avec juste Wando Saint-Ville. Wando et Saint-Ville que de supposer parler depuis avec lui depuis hier matin, mais et pour les mêmes communications étaient empêchées. Et nous arrivons et joignons et nous allons essayer et faire contact pour nous capables. Je n'ai bien avant, et M. Saint-Éloi, bon, m'a partagé avec vous et note ça que et bien M. Faustin lui-même lui mettait dehors pour dire que il pas grand rien pour le taoué de près ou de loin avec menace que. Eh bien, et juge là lui-même, l'État a recevoir et dans le pays, c'est des bagailles qui ont été difficiles, Jacques. Parce que il est arrivé, il n'y a pas même connaît qui ça a fait et par rapport avec l'autorité qui a même gagné. Go bout tonton, responsabilité pour être capable et prendre dans le pays, Moïse et de loi. Oui, et justement, et nous allons parler de ça et dans le second scénario, bien avant que nous parlions avec le juge là, on a pris notre sac.
primature, lui-même les mettait dehors. Démenti formel du secrétaire général de la primature, M. Jude-Charles Faustin, aux déclarations l'associant à des menaces de mort sur la personne de Mme Wendell Koch, juge à la Cour de cassation. Le secrétaire général de la primature, M. Jude-Charles Faustin, par la présente apporte un démenti formel aux déclarations publiques l'associant à des menaces de mort proférées à l'encontre de Mme Wendell Koch, juge à la Cour de cassation. Par la même occasion, il dénonce les tentatives politiciennes de bas étage orchestrées par une certaine presse cherchant à le discréditer pour des raisons inavouées et inavouables. Le secrétaire général de la primature, un démocrate convaincu et responsable, croit en la pluralité et la contradiction politique. D'ailleurs, il a construit toute sa carrière d'homme d'État en prônant le vivre ensemble, la stabilité politique et chevillé au corps a combattu l'assassinat de caractère des citoyens et citoyennes crédibles au-dessus de tout soupçon. Enfin, le secrétaire général saisit cette occasion pour appeler à plus de sérénité et encourage les différents secteurs à faire preuve de retenue dans les débats et mettre en pratique les valeurs démocratiques qu'ils prétendent défendre pour le bien de la République. Et c'est fait à Port-au-Prince le 28 septembre 2020 et c'est signé Jude-Charles Faustin, secrétaire général de la primature. Pris, démenti et note ça. Bien avant que nous parlions avec et juge là, rapidement, on a fait connaître que bonne nouvelle qui est tombée depuis hier soir et citoyens ont questionné nouvelle ça. Le ministère de la Santé publique a enregistré zéro cas de coronavirus dans la journée hier. On a obtenu ça. Ça, il y a plein de questions à poser. Mais Jacques, on n'en sait pas. Qu'est-ce que vous avez dit pour mettre M. Guerrier? Le footballeur de Nigeria. Et Vita Vassolina. Oui, il a dit. Tu vas te parler avec Wando Saint-Villiers. Et Maïssa, bonjour, comment vous croyez? Bonjour, bon salut. Nous en forme, j'espère que nous en forme tout. Et nous sommes tous les autorités de la radio pacifique. On a fait un bouton, il faut vous regarder comment nous sommes capables de regarder et à l'être la donnée par ANAMA, Association Nationale Magistrats Haïtiens, et APM, et nous-mêmes tout, et c'est l'association de magistrats, juges, Wendell Koch et Tello, qui dit qu'il a pu recevoir une menace suite avec, et on capable de dire. Et c'est un sac qui est supposé faire et côté que juge et électoraux étaient supposés prêter serment au niveau de la Cour de cassation. Est-ce qu'on privé parler avec magistrat Wendell Koch? Qui ça le dit ou magistrat Wendell Saint-Villiers? Bon, moi, j'ai gagné des échanges avec le magistrat qui explique que, effectivement, le jour même que les conseillers électoraux ont été déposés pour le système dans la Cour de cassation, et qu'après analyse du dossier, j'ai gagné deux points de vue différents au niveau de magistrat à la Cour qui était siégé, et cinq juges. Donc, lui-même était bien positionné, tout comme t'es l'autre magistrat, tout qui était partagé position par lui. Il y a de l'autre magistrat, c'est une position différente. Et au final, donc, comme on connaît, la Cour de cassation t'est renvoyé les prestations de serment, ce qui n'est pas, c'est-à-dire sans délai. Il y a pour l'autre, mais qui n'est pas fixé. Donc, il dit, le jour même, il commençait à recevoir des menaces, non seulement de textes, messages, pour dire qu'il va assassiner quand même, mais il y a des appels donc le recevoir, côté que vous dites, clairement, il y a tué le web à web à assassiner. Donc c'est de monde qui parle en clair, qui n'a pas utilisé de langage codé pour dire magistrat ça. Et il a expliqué tout que ce n'est pas un seul jour, donc c'est depuis lors qu'il a subi des menaces, parce qu'il a dit que c'est lui-même qui la cause. Les conseillers n'ont pas arrivé prêté serment. Donc, ils ont même fait de leur accusation qui a un rapport au fait qu'ils ont des velléités politiques, alors que les positions et magistrats dans la Cour de cassation, c'est des positions qui étaient basées sur la loi. Et on capable de dire monde qui ont des positions qui ont croit que. Et il y a une nécessité pour te reporter, bien renvoyer prestations de serment, ce qui est dit. Donc, d'après ça, nous au courant, ce n'est pas seulement magistrat Wendell Koch, il y a deux autres juges
à la Cour de cassation permettre que moi pas inciter le nom yo même puisque yo décidé de garder un profil très bas dans la situation ça. Donc il y a deux autres juges dans la Cour de cassation yo menacé yo de mort et yo fait comprendre qu'il a payé ça quand même. Donc c'est une situation qui est inacceptable. Parce que je dis la Cour de cassation. Mais entre-temps, M. Villiers, est-ce que vous alertez des CVJ? Est-ce que c'est des numéros et des messages que vous avez retracés, que vous avez essayé de localiser pour l'enquête qui menait? Donc, au niveau pour magistrat Wendell Cook, donc je crois qu'il a fait le nécessaire. Il a fait le nécessaire. Mais il était important avant tout pour que de partager ça avec les collègues magistrats et surtout au niveau de l'association, en sorte que nous sommes capables de pousser cri hein, et pour que nous non seulement condamner ça, mais en même temps tout, et pour éviter que, pour dissuader les gens qui sont élan à tout prix qui voulaient assassiner nous dans le pays. L'ordre a fait le nécessaire. L'ordre a fait le nécessaire. DCPJ? Bon, en fait, dans la situation, ça. Et de toute façon, il faut que l'autorité policière soit informée de ça. Elle n'est pas informée, il faut que saisir de ça. Et parce que normalement, c'est un numéro qui est identifié, d'après ça, il dit, mais il y a un numéro qui est des appels inconnus. Bon, pour appel inconnu, je ne sais pas qu'on aime, parce que je suis capable de garder avec son compagnon téléphone, puis est-ce qu'il y a des moyens quand même pour identifier. Et numéro qui fait appel là, l'homme même que mon nota et Barou t'a fait des appels et sous forme appel privé. Donc, situation vraiment inacceptable parce que l'on regarde des honorables juges à la Cour de cassation qui, et comme nous souvent dit, la Cour de cassation joue un rôle de sauvegarde. Et le rôle essentiel de la Cour de cassation, c'est garder pour est-ce que le droit est respecté. Donc, en tant que juge, si il y a des conseillers électoraux qui viennent prêter serment, donc ils ont constitutionnellement habilité pour que ils ont analysé et pour voir est-ce que la loi est respectée, est-ce que les normes constitutionnelles sont respectées. Et remarquez bien, décision pour de cassation, c'est seulement un rôle pour l'institution de prestation de serment. Mais rien n'est pas empêché que vous appréciez le côté constitutionnel ou légal de l'acte qui vient devant le roi. Et la décision pour il n'y a pas même prononcé sur ça. Et magistrat Sévillier, pendant là, et par exemple, Richard Doré qui dit que le président, dans tout douali, il n'y a pas besoin de prêter serment devant la Cour de cassation pour nous être capable de commencer à fonctionner comme et normalement. Et ou même, qui sont dit dans le dossier ça, d'autant plus que Richard Doré dit, pas aucun côté dans la Constitution qui fait obligation pour prêter serment. Il dit, ça a été fait une première fois, ça a été une routine. Mais il ne veut pas te mettre le conseil. Et ou même qui position sur ça? Moi, je ne vais pas répondre à M. Doré. Je ne vais pas répondre, mais je vais parler auprès de vue technique. Constitution, son série de situations qui ne doit pas prévoir qui ça qui peut faire. Et à ce moment-là, la préfère pour le reste à la loi. Il faut nous garder dans différentes lois électorales ou bien décrets électoraux qui sont adoptés de 1987 à aujourd'hui. Est-ce que par contre assujetti tout conseiller électoral à la formalité de la prestation de serment? Si nous regardons dans le dernier décret électoral en date, là, qui est le décret 2 mars 2015, nous prenons compte que une obligation qui gagne, c'est que conseiller électoraux doit prêter serment. Et m'a référé moi avec même décret ça, qui, parce que je dis à la pagon l'autre texte qui qu'on adopté, mais nous croyons dans le préambule décret, il y a référé à la Constitution, mais en même temps tout, c'est décret ça qui régit le conseil électoral, bon, même si tu as deux bons décrets. Mais ce qui est important, c'est que, et, que ce soit membre PEDIO, membre PEPIO,
et que ce soit et monde qui parle et siéger dans différents niveaux ou bien grand responsabilité comme superviseur etc dans différents niveaux dans et appareil électoral là yo assujetti yo à formalité de prestation de paiement pas qu'on ou personne monde qui cap travaille comme superviseur sans qu'il pas professeurement pas des monde qui pas travaille comme responsable bon pète ou bien un pec sans il pas prêter serment et monde tout qui va siéger lorsque le contentieux électoral qui va siéger soit dans BCED ou bien va siéger dans bureau de contentieux et BCECO yo tout yo assujetti à formalité de prestation de paiement donc si toutefois yo même yo assujetti à formalité de prestation de paiement à plus forte raison les conseillers électoraux qui en même temps tous étaient juges au niveau de BCEN et bien yo même tout yo assujetti à formalité de prestation de paiement et puis écoutez gagner c'est autre fonction de l'État pas capable d'investir de yo sans que ou pas et obéir à formalité de prestation de paiement. Je dis là nous avons un bouclier du point de vue constitutionnel qu'on constitution qui est en application et puis de l'autre côté yo référé yo avec une disposition de constitution amendée. Maintenant et pour tout le reste, on peut retourner dans la constitution qui est en application et qui fait obligation pour que conseiller prêter serment. Pourquoi je veux dire, et puisque nous sommes en République, ce n'est pas de volonté au monde qui doit primer, mais c'est les normes. Parce que nous sommes dans une société qui est basée sur la loi. Si il y a un manquement à cet égard, pourquoi je veux dire la sagesse à recommander? Et est-ce que pour le bien de la nation et pour légitimité, en même institution ça et ensemble d'acteurs qui appellent pour agir pour que vous soumettiez à la loi et à la constitution et ça fait que vous dûment investi de fonction et ça a enlevé toute possibilité et qui t'a capté autour de légalité ou de constitutionnalité de acte que vous pouvez opposer et si au départ et gagnant de formalité pas respecté démarche dans les vicieux en droit, il est dit que la faute qu'on tout, et bien dans ce cas, on va rendre compte que tout acte qu'on va poser par l'objet de contestation et par des suspicions d'illégalité et de constitutionnalité qui va nous entraver à travail conseiller et m'a dit que au final, on va croire que c'est grand chose à être capable de faire. Maître Sévillier, et quitter point ça par rapport avec les questions qui gagne pour justement avec les affaires prestation entièrement et m'a cherché article là m'a pas carré et beaucoup arrivé je nique c'est et décret électoral 2015 qui dit que toute formalité administrative qui valable pour conseil électoral est permanent et bien il y a aussi valable pour conseil électoral et provisoire par rapport avec et quelle que soit façon que les mêmes l'état rivé monter pour tourner directement sous cas juge Wendel et jugé Wendel Cocktail loi par rapport avec moun k ap mouri dans société a la menace nous obligé prend yo très au sérieux et que ce soit au niveau de l'appareil judiciaire et ou encore dans sa gain pour avec et question droit moun dans sa gain pour avec la police nous même association magistrat yo qui ça n'a fait concrètement par rapport à menace ça que juge là lui même lui dit li étape subi et t'a subi yo par rapport avec élection gagné et secrétaire général primature l'ange Charles Faustin qui lui-même tout met en note dehors qui dit que il pas rien pour ouais par rapport à non capacité parmi moun qui t'a impliqué non et menacé et juge Wendel et Cocktailo. Bon moi même m'a répondu sur dernier point dernier aspect et en fait d'après les informations que nous avons et secrétaire général à la primature là donc il était fait des déclarations qui étaient déplacées qui étaient inappropriées et qui est capable considérer comme une sorte de menace et contre et magistrat Wendel Cocktailo. Et c'était clair, ou même dans les médias, ou comme ça, et magistrat a dit même tout, il vient informé de ça. Et je crois que il y a des manœuvres, donc il faut qu'il évite, et surtout l'homme nous a de lourdes responsabilités dans l'État. Par rapport avec question de sécurité et magistrat, donc nous-mêmes nous faisons appel à CSPJ. Pour que les prennent contact avec ou état-major la police, non, pour faire en sorte que y a des dispositifs qui mettent en place de manière spéciale pour sécuriser les magistrats, non seulement magistrats Wendel Cocktailo, mais deux autres magistrats encore qui ont de lourdes responsabilités au niveau de la Cour de cassation, ils ont même tout, ils ont menacé par téléphone
il y a une sous il y a payé ça quand même. Donc, au niveau du CSPJ, il y a... Mais maintenant, ça. Et là, et M. Saint-Villiers, et par rapport à et de l'autre magistrat qui dit à payer ça quand même, est-ce que le monde qui fait menace, tu as senti lésé, et que, parce que c'est là, la loi dit, mais qui ça pour faire, j'ai pour le faire. Quelqu'un soit côté hier, je pense que faut qu'on fasse ça à la loi mandée, pas vrai? Bon, alors, c'est ça le cas de l'OIE, mais il faut que nous n'avons pas l'état de droit. Nous n'avons pas l'état de droit. Donc, nous pouvons vouloir rentrer dans l'état de droit, ou l'état pour que tout le monde respecte les normes, quelle que soit la position qu'on a occupée. Donc, c'est une culture d'intolérance, et où nos sociétés, côté que volonté, un chef, c'est lui-même qui presque voulait tourner la loi. Et je dis que personne ne peut pas capable accepter ça et personne ne peut pas capable comprendre qu'on a imposé ça à personne. Mm-hmm. C'est ça qui fait que lorsque la volonté ne peut pas respecter aucune norme, donc je pense que ce n'est pas la violence, ce n'est pas l'assassinat, et que sont capable de résoudre le problème et arriver à soi et volonté et faire tout le monde accepter. Donc nous croyons que les plus sages, je dis, pour que le nom a posé des actes, quel que soit le niveau de responsabilité, non, pour nous garder conformité par rapport à la loi. Et société, hein, l'État, les pays du monde qui pour conseiller le président de la République, hein, les pays du monde qui pour conseiller le premier ministre, qui pour conseiller le ministre. Donc, on croit que si au frère de la princesse, qu'on paquet de monde qui a recevoir des frais, qui a bénéficié de privilèges, eh bien, donc, faut qu'il joue le rôle de savant, avec conséquences et avec compétences auprès du chef de l'État, auprès du premier ministre, auprès du ministre, même il n'y a pas de service là. En sorte que nous comprenons que et à chaque fois, il doit soit par le conseil ou bien des actes qu'il va le prendre, pour regarder est-ce qu'il est conforme à la Constitution, est-ce qu'il est conforme à la loi. Mais c'est pas non, fait pression sous des magistrats qui gagnent un devoir de légalité, un devoir pour qu'ils auraient été accrochés aux normes légales et constitutionnelles. Ce n'est pas une pression qu'il y a fait sur eux, menacés ou de mort. Et je dis à nous, grâce à très au sérieux, parce que nous, c'est infernal, côté que n'importe quel monde qui rentre là, quand on l'a assassiné, il n'y a pas besoin d'assassiner le monde là. Oui, le dernier événement, ça a montré nous et combien de monde y a entré, y a assassiné. Le cas de. Et mettre mon Félix d'Orval son cas emblématique, et Madame Martine et Lérisson, Farah Martine Lérisson, ensemble avec tout et Marie-Lé, donc c'est des cas emblématiques. Donc on croit que je dis, hein, et mon qui a proféré menation, donc bon, pas qu'on est exactement qui m'a noyé, mais il faudrait que la police et lui-même mette lui au travail. Et au niveau de la justice, eh bien, faut nous garder comment on est capable d'identifier Mounsao et faire payer pour genre de menace, parce que c'est des menaces qui sont sanctionnées par le Code pénal. Les articles 250, 251, 252 du Code pénal sanctionnent toute forme de menace. Ok, oui, mais maintenant, parce que vous sortez dit là, tout M. Saint-Villiers, nous avons l'impression, et on a payé, et en plus, il faut avoir des autorités pour qu'ils prennent des décisions, comme si l'irrité plaisait à lui pour prendre décision selon humeur li, et selon Jean Sentil. Alors que société, pays, pas qu'avancer comme ça. Et c'est ça qui fait tout. Peut-être qu'à gagner, pression qu'a fait, c'est comme si il n'y a pas de sérieux. C'est moun qui gagne plus gros pour être là, c'est moun qui gagne plus gros force là. C'est lui qui fait principe, qui fait loi respecter. Bon, forme de ça, et au monde pas besoin de mettre lunettes pour lui. On a besoin de ça avant pour être capable de comprendre. Nous vers une dérive totale. Parce que depuis quelque temps, on velléité de nos respect de la loi de manière totale, parce que nous pas, dit de manière totale, parce que nous pas tiens mon état de droit. Mais on vient en compte avec l'absence d'un ensemble d'institutions clés, par exemple, pour le Parlement qui est dysfonctionnel, et on prend le pouvoir judiciaire, qui sont pouvoirs, qui j'alimente, j'alorganise, qui n'est pas véritablement indépendant. Nous vivons seul pouvoir en Dabélia, c'est le pouvoir exécutif qui lui-même est capable de dire qu'il est tout à part l'État non même et qui est véritablement de la force, qui est capable de foncer des bagages. On rend compte que l'élan et de monde qui occupe l'espace ça, l'espace de pouvoir ça, et pour que eux-mêmes soient capables de tout bagage, pour que eux fassent passer volonté,
eh bien, comme et généralement l'honneur, c'est côté que la loi pas respecter, eh bien, c'est la force qui prime. Et le nom de la force, c'est pas nécessairement les forces légitimes comme la police, etc. Et bien, c'est tout l'autre moyen que l'on a utilisé pour intimider le monde. Je veux dire, il y a une réalité, c'est que Gonteur a régné avec de telles menaces et de tels actes d'assassinat qui ont fait de manière scandaleuse et qui capable de révolter la conscience humaine, on pas caché d'où, donc en pile mon peur dans le pays. Et avec la peur, c'est un moyen pour qu'ils soient capables de vivre et asseoir ça rien comme désidérata, comme volonté. Donc il faut que dans la société, hein, tout secteur qui organise, il dit non par rapport avec ça. Parce que je veux dire, et comment qu'on comprendre, il y a une simple station de paiement de conseiller. Et il y a des conditions pas réunies pour accepter prestation de paiement. Et ça seulement, il suffit pour que vous menacez le juge et de mort. Et ceci, c'est des menaces qui sont très graves. Et une bagarre magistrate qui t'a attiré l'attention, mieux dit, ouais, pas ouais, il n'y a pas assassiné quand même. Ça veut dire que nous, on a parlé à là, et magistrat Windelcott était là, on dit que lui est de la Cali ou encore, il prend des dispositions pour le mettre en quarantaine. Bon, moi-même personnellement, je me dis exhorté à prendre une précaution parce que, je veux dire là, puisque on dirait que c'est le règne du banditisme dans le pays, donc n'importe qui est victime, je me dis qu'il prend des précautions, mais il y a une bagarre qui a attiré l'attention, m'a parlé avec lui, c'est pas un monde qui était du tout et a parlé avec la peur. Ils sont des gens qui parlent avec conviction et qui croient que y a une moule de répéter l'idée de responsabilité comme juge à la Cour de cassation en termes de respect des normes, en termes de garant de la loi et les papes faillis à responsabilité. Ah ben, quatre pelouses n'a suivi et dossier ça. Et là, c'est Mettez-les à couvert et en attendant que l'autorité et la police et la justice et augmenter et sécurité li et Jean-Pierre le magistrat m'a dit ça et mettre de Saint-Villiers. Oui, le plus que nécessaire et le CSPJ pas carré de faire silence, faut que prenne contact avec l'état-major la police là, pour que yo prenne des dispositions spéciales non seulement pour sécuriser magistrat Windelcott mais en même temps tout et l'autre deux juges dans la Cour de cassation qui ont des menaces très lourdes sous dos et l'ensemble de magistrats qui travaillent sur des dossiers sensibles. Particulièrement de dossiers qui ont rapport avec le pouvoir de l'État. Alors, je voulais parler de pouvoir politique de l'État et qui ont rapport avec de gabegie administrative et corruption qui fait au niveau de l'État. Merci un peu, Maître de Saint-Villiers, et bonne journée. Merci, c'est un plaisir. Bonne journée. Voilà, c'était avec nous, Maître Wando. Saint-Villiers qui t'a pas fait un petit bouche avec nous. Ben, MSPP, Jean Tabdil Dalea et Moïse Saint-Delois, mettez notre dehors. Et il y a eu 0 cas de COVID-19 enregistré. Mais il y a un bail qui est important. Mais si il y a 0 cas de COVID-19, sur combien de tests? Il dit ça? Non, on va dire sur combien de tests, non? Si c'est 0 test qui va être 0 cas toujours. Si c'est 0 test, 0 cas. Non, il y a fait plusieurs tests et puis je ne 0 cas. Mais le possible, d'où si c'est 0 test qui fait, pour c'est 0 cas. Bon, le possible. Mais à moins que mais notre ça lié monsieur c'est du loi pas ça lié monsieur du loi il y a qu'à faire plusieurs tests sous faire zéro test sous faire zéro test on vient zéro cas et ça lié oui ça lié mais oui. Dans cas ça dans publication MSPPA ou par contre c'est ça ou par contre non, si c'est ça non pas je me dis c'est ça me dis si on t'a fait zéro test c'est zéro cas elle dit si MSPP pas gagne moyen pour faire aucun test et pour avoir COVID mais c'est sûr nous pas bien passer dans cas ça il t'a sorti net les en fait note là autrement tu as dit qui ça il t'a dit que et vu à certaines difficultés il pas fait test pour joie okay. Donc c'est ça que fait pas enregistrer oui pour joie il pas enregistré cas en tout cas mais en tout cas et chiffre c'est 8740 cas qui confirmé et il y a 227 là de mourir et puis 6757 qui traité. Et je m'en ai toujours fait même petit bout de dessus qu'on a fait, mes amis. Oui, toujours même petit bout de dessus, toujours mettre cache-né. Et depuis, vous pouvez rencontrer l'autre monde et prendre distance. Toujours songer bail, tout le monde trop à distance, toujours laver mes mains. Bon, laver mes mains là-dedans. Même ne pas aller, moi, pas bail sans qu'on nous. Bon, quelle photo président, Moïse t'a fait avec. À mon conseil, ou de mettre masque. Et oui, dans Kenny West, à tout le monde, président. Président, pas de masque. Mais si vous avez parlé, vous avez dit que le président n'était pas de masque, mais le président n'était pas de rien. Mais bon, ça arrive que le président était là. Olivier, tu as gagné.
Mais dans la photo de ce bateau, je suis battu. Puis nous avons un bel tweet avec plusieurs de ces petites photos à côté de la palais. Oui, dans le samedi, mais en tout cas, c'est son minimum parce que y a quand même, au contraire, même le PM a un masque qui a un logo. Non, mais ils font stock lui-même. Ils font stock spécial pour lui. C'est propre, c'est ça. Ni un imprimatur, ni un CSPN, monsieur a un stock et masque, ils ont les cachemires. Qui a payé et distribué par rapport avec Jean Cousio, en fait, il n'y a pas de site, ben oui. Il y a une petite photo, Olivier, en pile, petite photo, et président Baguenba, il y a ça qui est même. Justement, c'est ça qui est même. Ni président, ni Madame Martine Moïse, ni Oué Soubato Atou, ni Kenny, et ni un pilote, moi encore, qui est celui-là. Non, Baguenba, il y a ça, mais même des photos, de même, vous ne savez pas Photoshop. Ah, il faut tout lié. Et président d'abord, au lieu de je une photo que le président gay, mais et photo ça on a regardé là et là non les présidents allaient recevoir monsieur a directement et il a prendre la parole là tout le monde gay, mais président pas gay tout le temps parler là, mais l'autre monde qui beaucoup il était gay, mais et MSP qui vient avec ça retourner avec question chiffre ça par rapport à la réalité que nous vivons dans le pays aujourd'hui là, son réalité qui est vraiment spéciale et suite avec tout ça qui a fait et pas bon ici pour nous capables de continuer à garder, continuer à comprendre et ça qui a fait, ça qui a dit dans la société à M. Saint-Éloi, nous continuons avec les informations. Oui, pendant que nous avons dit ça, nous avons dit que nous sommes sous télévision Pacifique et centre-ville, sans ça, oui, et c'est pas, non, il parle pas mourir. Mais nous pratiquement zone qui mène nous et capable aller Babiole ou bien descendre Bois Vernard ou bien Cafou exactement qui mène tout la lu et exactement bon Institut Français et d'Haïti et nous capable pour mourir justement, on va pas tomber et on va finir sûr mais c'est lui même parce que et téléspectateurs gagnent une idée de comment la réalité même lié matin pendant que nous continuons avec les informations pour dire que le juge Régis Renard a été choisi par le doyen du TPI de Port-au-Prince pour les suivis juridiques sur l'assassinat de Maître Montferrier Dorval. C'est ce qu'a annoncé la bâtonnière AI du barreau de Port-au-Prince, Maître Marie-Suzy Legros. Maître Legault, qui s'est montré confiant jusqu'à présent de l'enquête menée par la DCPJ sur ce dossier, indique que le superviseur de toutes les étapes devant mener au jugement de ce crime crapulé est le barreau de Port-au-Prince. La bâtonnière AI au micro de David Mercius. Au niveau de la DCPJ, des interrogatoires ont eu lieu. Le conseil a assisté certains interrogatoires et le dossier à un certain après a été transféré le 18, le jour de la messe de Requiem pour le bâtonnier Montferrier d'Orval. Le dossier a été transféré au décanat du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Il revient au doyen de faire la distribution pour le confier à un juge instructeur. Ce qui a été fait, et c'est le juge Régis Renard qui est en charge du dossier. Le 25 septembre, c'est cette date que le dossier a été confié au juge Renard Régis pour les suites de droit. Nous devons rappeler à la presse que le rapport soumis par la DCPJ est un rapport partiel. Ce qui veut dire que la DCPJ va continuer et le dossier va en même temps au cabinet d'instruction mener et être objet d'enquête du cabinet d'instruction. Donc, le rapport de la DCPJ, le rapport final de la DCPJ va être acheminé également au niveau du cabinet d'instruction qui fera ce que de droit. Maintenant, nous allons prendre contact avec le cabinet d'instruction pour vérifier et surveiller les différentes étapes de la procédure devant aboutir au jugement. Nous ne disons même pas à l'arrestation, au jugement des criminels, parce qu'il y a le criminel qui a monté de toutes pièces cet assassinat. Il y a les gens, ce qu'on appelle les exécutants, mais il y a celui qui a conçu, c'est lui encore qui nous a assassinés. Il nous a assassinés d'abord et l'exécutant a réalisé son forfait. Le secrétaire général du barreau de Port-au-Prince, Maître Robinson Pierre Louis, se montre confiant quant à l'aboutissement de l'enquête autour de l'assassinat du bâtonnier. Intervenant à la conférence de presse, Maître Pierre Louis rappelle que plusieurs correspondances ont été adressées par des instances internationales au président de la République afin d'instruire toutes les instances concernées à faire lumière sur la disparition
du professeur Dorval pour l'homme de loi. Ce dossier doit marquer la fin du règne de l'impunité dans le pays. On l'écoute. Pour nous, jusqu'à présent, il n'y a aucun obstacle. Cependant, sous ça, on a insisté et on a continué à insister sur lui. C'est le renfort que nous avons cherché de l'extérieur. Pour qui ça? La commission internationale, là, indépendante, là, est importante pour nous. Parce que la facette, nous, je viens là, dans le dossier, là, c'est que l'implication internationale, d'ailleurs, nous connaissons ça déjà, il y a des barreaux internationaux de près de 47 pays qui ont écrit au président de la République pour la création d'une commission d'enquête indépendante, justement pour permettre que lumière soit faite sur ce dossier. Donc, on a continué à insister et me garantir, quelle que soit la tournure, on a essayé de bailler, d'ailleurs, Batonia Sodina, on ne peut pas quitter le dernier. On a continué à insister, ça fait déjà un mois, mais je pense que nous prenons 2 mois, 10 mois, 20 mois. L'enquête, ça, nous avons une obligation pour lui aboutir et avocat déterminé, les alliés sont déterminés, que ce soit nationaux ou internationaux, sont déterminés pour lumière faite sous dossier ça. Et désormais, nous dit la mort, M. Dorval, pour un fait marquant pour la société haïtienne, pour nous renoncer à la question, tout bagaille, tout crime a fait, nous croiser bras, ne dire rien. Et ça fait, dans l'Assemblée, côté de la délégation, je dis nous qu'à aller juste dans toutes les instances internationales pour faire valoir droit ça et en même temps tout insister pour que tout le monde qui est victime avant mettre d'ovalio et qui continue victime jusqu'à aujourd'hui pour nous continuer à dénoncer et jouer une justice pour tout et réclamer justice pour tout. Donc nous étions confiants et nous pouvons avancer. De son côté, Maître Patrick Pierre, lui, membre du conseil d'administration du barreau de Port-au-Prince, déplore l'indifférence affichée par les autorités nationales sur l'assassinat de Maître Dorval. L'homme de loi indique que toutes les juridictions sont à pied d'œuvre en vue de permettre à la justice de trancher sur le dossier. Patrick Pierre, lui, plaide en faveur du respect du métier d'avocat et le droit de chaque citoyen de s'exprimer librement dans le pays. On l'écoute. Alors, un mois déjà depuis qu'on a lâchement abattu notre bâtonnier, Maître Montferrier Dorval, et les assassins sont dans la ville. À leur soutien, des forces obscures qui ne disent pas leur nom et qui essaient de jouer sur tous les tableaux pour diluer l'ignominie de l'acte, un mois déjà. Mais c'est par une grossière erreur de vue qu'on croit pouvoir nous décourager. C'est par une colossale faute de perspective qu'on croit pouvoir passer outre la pugnacité des avocats et la résistance de la société. Les assassins sont allés trop loin. Le Conseil ne cédera pas. Nous ferons en sorte de rechercher justice jusqu'au bout pour notre bâtonnier défunt. Sans oublier ces citoyens anonymes qu'on tue dans les quartiers populaires. Le Conseil l'a déjà affirmé et le redit. L'assassinat de Maître Montferrier Dorval est moralement imprescriptible. Lors même que les voies de recours auraient été épuisées à l'échelle nationale, nous ferons en sorte que la justice régionale prenne le relais. Il n'y aura jamais de répit pour les assassins que celui de la tourmente perpétuelle derrière les barreaux. Voilà pour les déclarations de Maître Patrick Pierre-Louis qui est conseiller à l'administration du barreau de Port-au-Prince. Parlons autre chose, les structures politiques de l'opposition dont le mouvement patriotique populaire de Saligné, MOPOD, Combit et l'émergence patriotique appellent à l'unité au sein du secteur afin de contraindre le président de la République à la démission. Le porte-parole du MOPOD, Serge Jean-Louis, se veut clair. Aucune élection crédible, honnête et démocratique ne peut avoir lieu dans le pays avec l'équipe au pouvoir. Serge Jean-Louis, au micro de Wisley Jean-Baptiste et de David Mercius. L'ensemble des structures politiques SAEO, qui c'est des professionnels politiques, des combattants pendant des années Kapoumé, nous besoin de ce PHTK qui vous demande nous pour un accord politique. PHTK a passé 5 ans au pouvoir. Ils ont crassé le pays. 5 ans, pas 5 ans, c'est la première version.
il n'y a rien qui a à voir avec la démocratie qui a été défendue comme valeur idéologique, républicaine, même morale. Ils ont continué. Il y aurait 8 ans. Dieu va se faire souffler. Il n'y a pas jamais organisé élection, même Kasek. Là, nous passons sous, comme Tim Daradou, sous la dictée de PHTK, vous n'en avez pas ou pas. Et puis, l'ensemble des structures politiques qu'il a, n'ont pas chita, ni Assoué, ni la journée avec Jovenel Moïse. Nous clairons de nos bras. Il y a des rappels qui fait la redoue. Un, nous n'avons deux pas Jovenel Moïse. Deux, nous avons un gouvernement de transition, un gouvernement de rupture. Trois, non, nos organisations, tout procès qu'on connaît qui est fait, ça rajoute déjà massacre. Quatre, l'organisation de la conférence nationale souveraine. C'est de ça le question. De son côté, le représentant de l'émergence patriotique attribue à une manœuvre de diversion la mise en place du nouveau CEP par le pouvoir exécutif. Selon René Civil, Jovenel Moïse ne fait qu'enfoncer le pays dans la crise. On l'écoute. Jovenel Moïse, qui besoin de calmer attention monde, créer ambiance, créer diversion, créer toute qualité bagaille. La montée du conseil électoral provisoire, c'est une sorte de diversion. Parce que Jovenel Moïse connaît péremptoirement et la communauté internationale pas capable qu'une élection dans le pays. Parce que toute partie politique qui dit pas chita, pas dialogue avec Jovenel Moïse, la société civile pas chita, pas dirigée avec Jovenel Moïse, ou fait élection, c'est pour peuple a rejeté déjà, évoqué déjà Jovenel Moïse. Et en plus, l'insécurité à outrance, comment nous allons faire en ligne pour aller voter. Et de là, monter parlement son simple diversion pour couvrir la mort de M. Dorval et aller dans la Cour supérieure des comptes, c'est pour couvrir l'affaire conseil électoral comme diversion. Donc, je dis à, les prend Cani, la flâner dans le nord-est, dans le nord-ouest, la acheter pistache pour Cani, acheter canne pour Cani, souiller soulier Cani, président de la République d'Haïti, c'est le président de la République d'Haïti. Et maintenant, de ce fait, nous arrivons dans une situation incontournable. Pays a effondré, pays a disparu, et c'est pour ça que nous venons lancer appel à ça aujourd'hui. C'est appel à l'unité historique nationale pour nous poser une action historique pour nous déloger Jovenel Moïse dans le palais national. Délogement Jovenel Moïse dans le palais national passe directement par le consentement des groupes organisés, des regroupements de différents secteurs, tant que l'Église, tant que vaudouisant, tant que paysan, avec jeunesse la coupe. Dossier santé à présent, l'Association pour la promotion de la famille a célébré à Port-au-Prince la Journée internationale de la contraception le 26 septembre 2020. Planifier vie ou protéger tête ou faire planine est le thème retenu pour cette année. En cette occasion, le directeur exécutif de la Profamil, Gianni De Castro, a mis l'accent sur l'importance de la planification familiale en Haïti. On l'écoute. Jeudi, nous avons la Profamil, côté que nous avons célébré plusieurs journées commémoratives. Surtout la Journée mondiale de la contraception, qui est fête chaque 26 septembre. Mais jeudi, 28, c'est tout journée du droit à l'avortement et Journée internationale de la presse. Pour famille profiter de l'espace pour capable aborder l'importance de la question de la planification familiale et des autres sujets aussi avec la population et surtout les jeunes de la pour famille qui viennent participer à une séance de causerie, débat sur des thématiques comme l'importance de la planification familiale, l'impact de la planification familiale sur l'homme, sur la famille, sur la communauté et même au niveau mondial, les impacts qu'auront les nouvelles modifications du code pénal haïtien, surtout au niveau de l'accessibilité et les droits à l'avortement, et bien sûr l'importance que la contribution et la participation des médias de façon générale à l'avancement de le principe de planification familiale. Aujourd'hui, nous discutons avec Junior, nous abordons sur vraiment en dehors de l'implication eux-mêmes comme jeunes le mouvement pour capable assurer un impact durable de planning familial, l'envie, mais pour qui ça, il y a plus au fait. Pour qui ça,
importance là sous différents niveaux ça ou dimensions ça. Impact individuel. On moun jodi a fik ou garçon qui planifie ville et qui espace naissance li gagne un impact positif sur santé. Par ailleurs, ce 28 septembre amène la Journée internationale du droit à l'avortement, une autre occasion pour le responsable de la Profamil de rappeler que la modification effectuée dans le code pénal haïtien et qui sera effective dans environ 2 ans aura un impact sur l'accès aux services liés à l'avortement. On l'écoute. Ok, par rapport à la Journée du droit à l'avortement, nous avons une conférence à nous là qui pourra le montrer, qui pourra le discuter avec jeunes nous de impact. Il est déjà 8 heures. Il est déjà 8 heures. Pour le pays et pour nos frères, au monde de fils, au monde de fils, libre et fort et prospère, toujours nous avons frères, au monde de fils, au monde de fils, pour le pays et pour nos frères, au monde, au monde, au monde de fils, pour le pays. Kon dwa ou, dwa nan travay ou, dwa pou jwenn ti mòsò la jistis, dwa pou fè respekte byen ou ak lone ou dinite ou libeté ou. Pacific FM a prezante ou le mò du dwa. Dwa mental ki pou di fiyate nou. Avèk Maître Rodrigue Dumas. Depi kek jou, kesyon avortman pa suspann souleve an pil diskisyon e kontroverse an serdan milye, notamman par le fèt ke l mete an konflik le nosyon kontradiktwa de liberté et de moral. Yon kote on la liberté de la femme ki implike sa mesdames yon rile yon réel égalité des sexes, ou jwenn organisation féministe yo à travers le monde ka plaide en faveur droit toute femme de genyen pou décider librement de suite yon dwe bay a grossesse yo. Gen lot partisan avortman tout ki fonde position pa yo sou des préoccupations purement démographiques. En d'autres termes, tenant compte de conditions d'existence yo ki vin de plus en plus difficiles, particulièrement nan fè manje pou moun jwenn pou manje chaque jour, avortman c'est a yon nan moyen plus efficace pou rive aide combattre sa ole explosion démographique la. Et par conséquent, lutter contre une série de problèmes à caractère économique et social. Mais par contre, monde qui ont même contre avortement et qui regroupe particulièrement les partisans de la morale et de la religion chrétienne, disent que la vie c'est avant tout un bagage sacré. Et puisque depuis un vent de femme là, embryon, fœtus là, déjà possédé tout attribut, toute caractéristique d'un être humain, utiliser une série de procédés mécaniques ou chimiques pour détruire produit ça, c'est un attentat grave à la vie. Comme ça, ils demandaient le droit pour intervenir pour garantir le respect de la vie humaine dès le commencement et par conséquent, réprimer les actes qui auraient les avortements. Donc, on prend vue tout qui dégageait sur la question avortement et qui dit qu'en dehors de certaines circonstances exceptionnelles, tels que viol, inceste, un acte sexuel doit être avant tout un acte réfléchi et responsable posé en prévision de toutes les conséquences qu'il est capable d'engendrer. C'est donc, en bon créole, c'est comme si on t'a dit, de pour te choisir pour te bouler bois, faut que tu es tout d'accord pour faire charbon. C'est pas après pour voir s'ils ont différent d'être trop chaud en bas plat pied ou. Évidemment, je ne vous dis, plusieurs pays admettent avortement dans certains cas, notamment pour motifs thérapeutiques, surtout lorsque il y a un diagnostic médical qui indiquait que grand pile probabilité pour tout le monde n'en pas vivre, ou bien encore lorsque grossesse là mettait santé femme en péril grave, que ce soit péril physique ou psychique, ça veut dire côté la vie maman menacée ou bien en cas de viol, inceste, etc. Et c'est donc nakasayo au nom de l'état de nécessité consacré par la loi de reconnaître qu'un chirurgien a droit pratiquer un avortement. En tout cas, ici en Haïti, article 202 code pénal là définit avortement tant qu'un gros crime, que ce soit ça ou l'auto-avortement, ça veut dire femme enceinte là qui fait avortement pour tête li, ou bien dans cas li bénéficier aide l'autre monde tant qu'un mari, un fiancé ou un ménage qui pas ta vle ti moun en fait, ou bien encore un parent pas ta un petit ou font ti moun illégitime. Dans cas ça yo, la justice qui doit poursuivre moun qui provoque avortement comme auteur principal s'il commet avortement pour contre li et comme co-auteur s'il en tête ensemble avec femme enceinte là. Comme ça et moun sa, et femme enceinte là, yo capable prendre sorti 3 pour 29 ans de prison.
Et peine ça capable même aggraver dans le cas là des professionnels dans le chirurgien, pharmacien, femme sage qui t'a utilisé connaissance pour faire avortement ou bien pour indiquer femme enceinte là moyen pour arriver faire avortement. Et contre professionnel ça yo même la loi prévoit sorti 3 pour 15 ans de prison. Mais qu'on y a, les gens qui ont qui font fait, les commettent un plus gros crime encore que le code pénal l'a relé infanticide. Crime ça a censé consommer. À partir du moment où les gens qui ont dit que leur fait apparaît sous terre, même s'ils ne peuvent pas même rêver respirer, ou bien encore, dans un temps très proche de moment où ils fait apparaître sous terre. Et que ce soit moment où ou bien n'importe quel monde qui commet crime infanticide, là, la justice doit condamner pour passer toute reste vie fermé en prison. Maître, Rodrigue Dumas, Pacifique FM. Red branché. N'a tourné talent. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Est-ce qu'on connaît bonjour c'est un petit mot de syllabes qui cal ouvrir toute porte? Ah oui. Est-ce qu'on connaît tout un simple petit bonjour qui aide un prochain passer une bonne journée? Ça c'est vrai. Dis-moi bonjour, m'a dit bonjour comme ça la vie va plus belle. Ça c'est un message Radio Télé Pacifique poté pour améliorer le rapport mon à mon dans le pays. Ton référence BRH pour mardi 29 septembre 2020, c'est 69,39 pour 1 dollar américain. N'a pas rappelé tout le monde. Ton référence BRH calculé et puis publié pour journée, c'est résultat transaction acheté dollar qui fait dans la veille sous marché change. Pas oublié. Ton référence là disponible tout temps sur site BRH là www.brh.ht sur compte Twitter BRH BRH Haïti ou soit au carré les centre contact BRH là gratis dans 80D74 69,39 pour 1 dollar américain. Maman, car on machine pour booster crash check ça c'est Subaru. Boum boum papa ça c'est Subaru. Yes, grave mon nègre du son Subaru. Subaru, Subaru, mettez moi frais, mettez moi. Quatre chaises, malaise, moule et soir. Qui machine lick, swap, jeune, n'en prie ça. Yon machine japonaise, wadi konnichiwa. Konnichiwa, kado chassis, machine de classe. Si c'est toi le vire, gade les ma passe. Automeka, kado vitesse, kado sécurité. Kodra pas ka passe, kon Subaru, toujours passe. Forester, crash check, ça c'est Subaru. Vum, vum, pa kat, ça c'est Subaru. Grepe mon nega du sol, Subaru. Subaru, bagay pon en wash, aime le Subaru. Subaru, Forester, crash check. Sous ta reme gon Subaru, même j'en vem, vin jouen nou nan Automeka. Adresse 22 boulevard Toussaint Louverture sous Wouta Youpoa. Téléphone 2941-2544 et 2941-2545. Et sous net la, automeka.com. Ou gon machine, qui métier ou? Docteur, ingénieur, agronome, comptable, chômeur. Machine ou an, lè ou libre. Ou café ou libre. Ou libre son application qui tank ou Uber, qui ou téléchargé sous téléphone ou, kap voye passager pour ou. Ou ap touché sans problème. Et si tout, ou pas besoin longe mais ak passager pour toucher. Qui donc, no contact. Téléchargez kounye a même, application ou libre pour chauffeur. Passager a gen application ou libre qui naï, ou même ou gen application ou libre qui naï. Fais ça kounye a. Ou ap ka téléchargez sous Play Store ou bien Apple, ça ouè. Kounye a ou nan business. Ou libre pour kapi libre. W-O-U-L-I-B, Woulib, pour Capilib, 4935-76-76. Pour ajouter une touche spéciale à votre décor, jardin, bureau ou intérieur, visitez la boutique Bohème. Bohème vous transportera dans un univers où se côtoient des pièces uniques de style industriel, moderne, oriental, résolument tendance. Conseil déco ou commande personnalisée, le personnel qualifié saura vous guider dans vos choix. Situé à l'angle des rues Chavannes et Clairvaux à Pétionville, Bohème sur Facebook et Instagram à Bohème Boutique HT. Cadeaux, accessoires, mobilier, Bohème. Un peu de tout, de partout. Go
Compagnie nous en relé Pinson SA. Il n'y a pas aucun autre nom. Pas prendre un fourmamite, pas prendre un imitateur. Directeur compagnie, c'est Tipinson Tetnob. C'est lui qui était chef pompier dans l'aéroport. Chaque deux ans, il est obligé de passer un examen pour voir si monsieur au courant des dernières techniques et des derniers produits qui gagnent sur le marché. Donc, Tipinson Tetnob, certifié comme spécialiste dans le combat du feu. Pinson SA. Delma A1, numéro 19, téléphone 28 16 11 40, 28 16 80 20. Glamour, fashion, tendance and vintage, Bella Boutique a la baguette magique nécessaire pour vous transformer en ce que vous voulez. Trouvez la tenue idéale à Bella Boutique qui vous laisse un large choix de marques pour un mode qui vous convient et qui saura répondre à toutes vos envies. Passez la rue Panaméricaine, local Harry's Restaurant, suite 111 ou appelez au 42 64 03 03. Choisissez Bella Boutique pour se faire chic et se sentir unique. Pendant pays États-Unis, Haïti et partenaires régionaux ont travaillé pour préparer une saison capotée en pile cyclone pendant la pandémie COVID-19. Nous avons déconseillé les migrants pour parler avant de tirer un bateau pour faire un voyage dangereux qui a même la cause de la mort. Dernier groupe 266 Haïtiens qui ont été menés retournés au Cap Haïtien, après l'autorité Zile Tekken Kaikos Tekken Bebato et voyagé, montrez-nous l'autre fois encore que c'est la peine pour nous risquer la vie dans le genre de voyage ici. Pays États-Unis partage des pays d'Haïti pour yon des meilleurs pour peuple. Et puis, nous continuons à travailler pour yon Haïti qui plus sûr, qui gagne plus sécurité et puis plus prospère. Chauffeur propriétaire machine qui t'a remis teinté, filmé vite machine yo, ou bien qui déjà gagne vite machine yo, filmé teinté, DGI voye fait nous connaît, article 10 décret budget 2019-2021, fait nous obligation pour nous passer dans direction générale impôt qui pipre ou là, pour venir payer, pour qu'à joindre autorisation. Mes documents pour nous poter, papier machine nan, fok ou pas de vignette, matricule fiscale, permis de conduire, pièce d'identité valide, ak montant l'argent qui c'est 10 000 goudes. Pour institution ak entreprise yo fòk yo pote kitis fiscal ou patente valide, kad d'immatriculation fiscale, papier machine nan en règle, papier assurance valide et puis preuve paiement qui c'est 10 000 goud la. Pa bliye, autorisation pour vite filmer a pas empêcher la police rete machine nan pour faire travail contrôle qu'elle était toujours qu'on fait pour garantir sécurité tout moun. Si ou pa gen autorisation DGIA, ou ap pran contravention 20 000 goud. Marché à autorisation dans machine nous pour pas aller nous raconter et puis payer contravention tête nègre. Gang, et mon nouvelle. Côté mono capture rassembler. Côté mono capture rassembler. Rassembler. Il y a ici vivre dans son monde. Il y a ici vivre dans le pays. Nous votons en anglais. Nous votons en espagnol. Nous votons en français qui non. Côté mono capio rassemblé, côté mono capio rassemblé, il y a ici vivre dans son yamé, il y a ici vivre dans payant. Mono capio, bonne nouvelle, tel Haïti vivre au cap avec 87 chaînes. Mono capio déchaîné. Passez près de l'Haïti pour là, la locale Access Haïti ou bien Aïnet qui pipe là. Ou carrément nous tout, la 2943 3000. N'tendu on dit depuis l'appli tombé tout l'autre disparaît. Nous même télé Haïti vient à toute parapli. Avine dit ça. Protéger l'environnement, c'est remettre tête nous. Nous toutes concernés. Nous devons tous répondre à ce cri d'alarme qui fait appel à notre amour propre, à notre responsabilité de protéger notre espace. Cam Stéphane Poulard, l'ami de toutes les générations, vous invite à écouter Environnement, Pacifique. Comment percevoir l'urgence de protéger l'environnement? Chaque dimanche, 3h, 4h de l'après-midi. Une occasion d'échange pour sauver Haïti sur le 101.5 FM Radio Pacifique. Le quotidien Le National est à la pointe de la technologie. Tapez dès maintenant www.lenational.org et lisez le journal sur votre smartphone ou votre ordi tout en écoutant la Radio Pacifique sur le 101.5 FM. Si vous désirez lire le journal au complet, sélectionnez le journal. Et ce n'est pas tout, le National dispose d'une archive au bas de la dernière page. Ici, vous pourrez faire le tri du journal soit par numéro ou par date. Le quotidien Le National,
tout près de vous à travers la technologie. Suivez tous les samedis de 1h à 2h PM, Mise à jour. Mise à jour, une émission de technologie et de multimédia. Actualité, astuces pour les périphéries portables, laptops, imprimantes, logiciels et autres. Mise à jour, une émission de débat sur les technologies de pointe avec l'ingénieur Michael Boussicou. Mise à jour, tous les samedis de 1h à 2h PM sur Pacific FM. Impression. Radio Pacifique a invité au côté chaque jour, sorti 11h rivé midi 30, Impression. C'est une émission 90 minutes, côté ou même auditeur, n'importe côtoyer sous la terre, ou capable briller pour bailler impression sur un sujet, un thème qui a fait voix nation arriver bon côté autorité. Un dossier qui a dominé l'actualité. Dans Radio Pacifique, nous pas de tribunal. C'est impression ou même auditeur qui comptait. Rélie pour bail impression, 46 13 10 10, 44 08 10 10. C'est micro libre, sans discrimination, sans contrainte animataire. Radio Pacifique, voix qui bon côté là, dans une autre radio pour un autre pays. Radio Pacifique, qui n'a nous branché, écouté et puis tendu. Pacifique FM. Port-au-Prince, Jérémy, Okaï, Cap-Haïtien. Plateau Central, Latimouni, Podipé, Fort Liberté. Pacifique FM. NIP, Jacmel, et puis dans diaspora, à même passion. Radio Pacifique FM. Notre passion. Radio Télé-Pacifique, l'unique transparence, la seule, la vraie station choisie parmi tant d'autres pour mieux vous édifier. Il est 8h15. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans la deuxième partie de cette édition. La deuxième partie qui est pratiquement consacrée à l'actualité, et ben, pas internationale, mais en ce qui a trait avec la relation haïtiano-dominicaine. Ce matin, on aura le plaisir de parler avec l'ancien ambassadeur Edwin Parizon. Ancien ministre haïtien à l'étranger. Avec lui, nous allons poser problème qui gagne pour avec plusieurs dossiers et qui pendant et sous frontière là, et par exemple et manifestations anti-haïtiennes dans le nord de la République dominicaine. Jacques, côté que eh bien il y a pendant pour expulser haïtiens qui illégal yo en République dominicaine. Son situation qui ont gens complexe et nous allons regarder où avec M. Parizon que nous avons parlé avec lui depuis hier, mais encore problème et communication empêchez-nous et arriver à faire ça. Renouvellement du statut des migrants inscrits au plan de régularisation en République dominicaine et nouvelle politique que M. Abinader lui-même a fait en République dominicaine. Et Jacques Amboise, ça c'est quelque point qui est important pour nous garder. Parce que c'est comme si nous ne pas trop intéressés avec ce qui a passé et bon côté et Dominique et Jacques Amboise. Bon, et c'est malheureusement, c'est son bagage que moi, nous pas fait et porter un peu l'attention à lui. Parce que moi, je dis, dans relation bilatérale et avec l'autre pays, et ça qui est plus important pour nous, c'est la République dominicaine. Bon, oui. Avant même tout l'autre et pays. Et puis, côté pour gagner un plus bon rapport avec elle, c'est la République dominicaine. D'autant plus que c'est là qu'il y a un plus haïtien, qui a vivre. Et hors de petits bouts de terre que nous gagnons, et 27,750 km², sans la République dominicaine, nous gagnons plus de monde. Et deuxième bagaille, c'est avec nous qui avons une frontière commune. Ça veut dire que le fait que nous avons une frontière commune avec elle, il y a une bonne relation sous frontière qui est faite entre haïtiens avec dominicains. Et il y a une bonne relation avec eux à Pédine. Et c'est surtout parce que la relation qui est entre haïtiens avec la République dominicaine n'est pas balancée. Parce que j'ai une situation pays aïe là, et depuis quelque temps, par rapport à Jean, la République dominicaine, à Valiterin, donc nous-mêmes, nous venons censés tourner yon épine, yon piquant. Dans pied et République et dominicaine. Et ça veut dire que avoir de très bonnes relations avec la République dominicaine, c'est une obligation et qui fait faire élection, qui fait un nouveau gouvernement et qui fait un nouveau président. C'est pour nous voir comment eux-mêmes ils considéré et haïtiens et comment et parce que Abinader
actuellement là a fait un office d'un président très populaire et d'ailleurs qui chaque semaine qui allait dans province et qui promet et monts et merveilles en République dominicaine. Pas même j'ai avec et bon, de toute façon et qui fait déclaration définitive d'impôt et pas définitive qui fait déclaration de patrimoine et son président qui est riche qui est bien et qui vient pour mener la lutte contre la corruption. En tout cas, il nous vient avec nous, M. Udine Parizeau, ancien ministre haïtien, ancien ambassadeur d'Haïti, République dominicaine. M. Parizeau, bonjour, merci un peu pour la disponibilité. Où est-ce que vous croyez? Bonjour, bonjour à toute l'équipe de Radio Pacifique et à toutes les auditeurs. Nous sommes en forme, on a bataillé contre la pandémie, comme nous connaissons, qui ont beaucoup plus d'impact. République dominicaine qu'en Haïti. Et beaucoup plus d'impact en République dominicaine qu'en Haïti, mais comment tendance l'an les dernières semaines avec pandémie? Il va aller vers la baisse. Définitivement, il va aller vers la baisse. Et si nous regardons les statistiques que semaine passée, donc nous avons que 2500 cas de 2000 cas que nous avons gagné il y a deux mois, trois mois. Eh bien, nous descendons à moins de 1000, autour de 800, 100, 500. Hier, c'était seulement 300. Et quoique, il y a beaucoup plus de tests qui fait. Donc, définitivement, la République dominicaine dit à suivre la direction d'Haïti. Et d'une raison, qu'on cause important de parler et de lire encore. Et les gens qui n'ont pas battu, pas qu'ils ont battu en République dominicaine encore. Et construction, allô? Allô, allô? Et nous perdu communication avec. Allô? Et ça m'a perdu communication avec Edwin et Parizeau. Et nous parlons d'établir contact là. Et là même, encore, causé communication, ça, Seigneur Jésus. Chaque fois qu'on fait un bagage, et puis, et à faire communication, on dit non, ou pas qu'à faire lui, et ou pas qu'à aller. Bon, une situation qui est difficile parce que chaque fois que nous avons invité, et puis c'est le moment ça que la communication choisit. Et ben nos chapelets ça, nous pensons que pas trop, non, petit temps qui est pas trop long, nous allons laisser rétablir contact avec Edwin et Parizeau Jacques. Yes, il est important pour nous poser problème et Haïti avec. Et République dominicaine, et parce que je ne suis pas en Abdullah. Mais comme ça, M. Parizeau dit là qui est important, et Jacques dit que République dominicaine choisit suivre trace Haïti. Bon, et à savoir, non, comment gestion COVID-19 la fête. Bon, ça qui d'après l'État a une bonne gestion, d'après ça l'État veut faire comprendre. Donc, on a essayé d'établir contact là pour nous essayer aux jeunes. Et allô, M. Parizeau? Oui, oui. Et bon, on communication difficile en pile. Et oui, question d'avoir posé, on ne parle pas de parler de batte encore. Comme si pas une grosse plantation, canne à sucre encore, haïtien qui a coupé canne, et en République dominicaine, construction d'avoir remplacé le dîme, non? Et ça qui a passé? Oui. Non, batte il a toujours existé. Ouais, parce que batte c'est des communautés qui ont été construites autour des usines sucrières pour que justement travailleurs aient arrêté. Mais Bateyo, avec la croissance de la population, ils ont un petit peu grandi tout. Il y a des Bateyo qui sont des municipalités, ils ont un propre conseil municipal. Et avec le changement du modèle économique en République dominicaine, au début des années 80, donc, sucre n'a pas la même importance que le Téguin Andy dans les années 60, années 70, parce que l'économie dominicaine allait vers zone franche, tourisme et toute industrie de services, l'hôtellerie et le tourisme. Donc, les batailles ont toujours existé et le nombre de coupeurs de canne haïtiens a drastiquement baissé. Le dirigeant de pays a commencé. Et dans la question de contrat d'embauchage, si nous prenons l'année 60, sous Duvalier, l'année 60, eh bien, nous avons parlé de jusqu'à 25 000, 30 000 coupeurs de canne par année. Tandis que pour nous, pour toute l'industrie sucrière dominicaine, nous n'avons pas besoin plus qu'on 6 000 coupeurs de canne.
Donc, mais... tout a pris et par le gouvernement de un des intermédiaires et qui peut aller à la frontière à chercher le gouvernement. Sinon, les flux migratoires. Allô? Aïe, 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 et situation. Oui, parce qu'il n'a pas rappelé que M. Parizon dit en direct que depuis la République dominicaine et question Internet là, nous connaissons comment ça arrive par rapport ici, dans le pays d'Haïti. Et il n'a pas essayé de relancer un appel là encore pour nous et capable d'essayer de garder. Eh bien, et comment nous sommes capables de continuer entrevue ça et sous ça qui vient pour avec question et flux migratoire là, avec M. Parizon. Et ou avec excusez-moi, communication qui a fait monter des sons ça, bon, vous connaissez. Et oui, et maintenant. Oui, mais pas de problème. Mais en termes, pour nous demander de causer au plus vite et possible, M. Parizon, est-ce que les gens qui ont coupé le canot, c'est des gens qui commencent, grand monde, c'est en 70 ou 10 qui ont atteint le pic dans les années 80. Et les gens qui ont une pension, comment l'État haïtien a négocié avec l'État dominicain et pour vieux jours et ancien coupé de canot? Bon, la pension directement n'est pas trop prévue dans les contrats signés entre les deux gouvernements depuis sous Magloire et Trujillo. Parce que le premier contrat, alors l'accord, il est signé en 1952. Ouais. Donc, c'était des accords, c'est ça, des travailleurs temporaires. Donc, ils sont venus pour 6 mois, ils retournaient. Ils n'ont pas supposé l'été. Vous comprenez? Donc, mais ils sont venus en nombre important, tirés, et les gens, la grande majorité, premièrement, ils n'ont pas arrivé à jouer une pension au niveau de l'État. Et deuxièmement, en pile là-dedans qui jouent une pension, ils n'ont pas de statut migratoire régulier. Donc, c'est deux problèmes que le président Abinader cherchait à résoudre là. Parce que dans le week-end, M. Tal visite une usine sucrière. C'est l'usine de Port-Venir, dans la zone l'Est pays, hein, pas trop loin de la ville de San Pedro de Macorís. Donc, M. Tegon rencontre avec un comité qui travaille depuis des années sur la question de la pension des anciens coupeurs de canne. Et son bataille que nous-mêmes nous accompagnons tout nous-mêmes au niveau de la Fondation Zilé pendant des années à travers de l'incidence politique et fait lobby. Et bien, comme ça. Donc là, il faut dire que c'est une... Aïe, aïe, aïe. Et pas possible. Pas possible. Là, on va connaître comment ça va passer. Ça passe et qui fait que... Si. Et c'est communication. C'est obligé de faire avec une ligne internationale qui c'est un numéro dominicain par rapport avec les gens communication lui-même. Li a pillé et par rapport ici, parce que là, on a regardé pour nous comment on va arranger ça. Et, oui, M. Parizon, allô? Oui, oui. Bon. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est une bonne nouvelle. Définitivement, c'est une bonne nouvelle. Que le président Abinader, je t'ai décidé et travaille sous le dossier ça, lui promettre que tout ancien coupeur de canne et qui est capable de prouver que tu travailles dans une usine sucrière, soit les usines privées, soit usines de l'État à travers du Conseil d'État du sucre, il y a bio pension. Donc, Jean-Noël, là, on dirait que le président, ça livre pour la paix. Entre Haïti avec la République dominicaine, mais est-ce que le gouvernement haïtien, d'après l'information qu'on a gagné, t'a va monter tout dossier clair pour t'a permettre que nous bénéficier au maximum de bons rapports que Abinader avait établi avec nous et M. Parizon? Bon, je dis que jusqu'à présent, c'est pas encore ça. De toute façon, il y a quand même une décision importante que les partis haïtiens n'en prennent. Nous n'avons pas d'ambassadeur depuis près de 6 à 7 ans. Et donc, le gouvernement haïtien a décidé de nommer un ambassadeur. Okay. C'est Smith Augustin, et qui présente l'aide de style déjà par le chancelier dominicain, et qui prochainement est à supposer présenter l'aide de créance et président Abinader. Ouais, mais date là beaucoup fixée. Alors, ce qui est important à souligner, c'est que Haïti, probablement,
passé préparé totalement pour encadrer la communauté haïtienne là, face à une série de décisions que le gouvernement et aïe, et communication qui a coupé et comme ça là, donc il n'est pas possible que pour nous gagner une communication comme ça, parce que il faut que invite à être patient pour le capable d'être avec nous. Mais le problème qu'on a posé là, il est vraiment fondamental, il est vraiment et sérieux par rapport à la relation binationale, bilatérale qui gagne entre la République dominicaine et Haïti. Et donc, on essaie toujours une relation de tension. Et même si on y a là avec le nouveau président et qui gagne là, et il n'y a pas toute tension et toute tension que l'été qu'on gagne avant yo. Et parce que. Relation Haïti avec la République dominicaine. Et oui, M. Parizon, on a mis quoi là? Oui. Oui, on a dit que et c'est pour qu'on s'annette. Et c'est vrai que vous présentez l'aide de créance. Et, mais maintenant, et pendant là, parce que vous obligé de faire vite, Jean et communication et à M. Parizon. Et nous attendons que le président Abinader dit que tout Haïtien qui l'autre bas pour le travail, il faut qu'on gagne cadre de travail. Probablement, il faut qu'on gagne résidence. Et est-ce que ce sont bonnes ou mauvaises décisions? Et comment vous êtes capable d'habiliter haïtien pour gagner papier et pour travailler? Bon, là, il faut dire que c'est une bagarre que nous avons expliqué tout à l'heure, là, le appel à Tétombéa. Et le plan de régularisation que le gouvernement dominicain a été lancé en 2014, c'est après la décision controversiale du tribunal constitutionnel qui s'est fait en septembre 2013. Donc, Haïti n'a pas préparé pour le bail tout un document au moment du lancement de ce plan. Donc, on a vu ce qui s'est passé. Et le tribunal de bureau, et la police débarquée, parce que le monde a protesté, il y a trois Haïtiens dans la zone. Donc, c'est un fiasco total que le pays. Mais jusqu'à présent, Haïti n'a pas gagné un programme spécial pour encadrer la communauté hein, face à renouvellement les différentes catégories migratoires qui prévoient le plan. Donc, son dossier que malheureusement, Haïti n'a jamais en priorité pour nous dire que l'encadrement de la communauté, hein, d'ailleurs, son bagage historique, c'est pour la première fois que la République dominicaine a décidé de faire un plan de régularisation. Donc, dans le cadre de cette dernière déclaration du président Abinader, donc, il faut dire que. Bon, et pour les communications, il est vraiment pas bon. Et là, il semblait que son prochaine fois, on a fait une fête. Entre vous, ça. Avec une paraison, parce que là, la communication, il est vraiment mauvaise. Eh bien, on a pu essayer et garder pour nous. Et là, pour garder pour nous, comment on va essayer. Et garder, et pour prendre ça, qui est important, mais et tout qui gagne, tout est. Et qui gagne tout inconvénient et sous yo là-dedans par rapport avec les gens réalité à lui-même lié et non en pays d'Haïti mais par rapport aux relations qui existaient entre la République d'Haïti et la République dominicaine et n'a pas essayé et garder et ça qui capable fait par rapport avec gens réalité à lui-même lié. Et là, j'espère que la communication est allée mieux, Jacques Amboise, bien avant que nous essayions sur l'autre ligne. Oui, bon, ou un an qui n'est pas inouïe, excusez-nous. Allô? Non, moi, je ne sais pas. Oui, oui, vous m'avez parlé, oui. Donc, vous avez expliqué que le président Abinader a tenté un surpris par la question, hein, et puis, monsieur font déclaration, et le nombre de lois à immigration, ça l'a dit actuellement. Donc, Andy, il n'est pas couvert réellement sa loi a dit. Bon, en effet, et moun kap vin travay en République dominicaine, yo supposé gagner. Yo ont permis de travail. Okay. Yo supposé gagner. Sa loi a dit. Mais en République dominicaine, ou gen différentes catégories migratoires, ou gen différents groupes d'haïtiens. Donc, ou gen d'un côté les étudiants. Étudiants eux-mêmes, ils sont là pour un séjour beaucoup plus long, ou bien des gens
des résidences déjà. Il y a des gens qui ont des résidences déjà. Donc, ce n'est pas des gens qui sont concernés par la question des déportations. Et ou bien, même les pensionnaires, ou je n'ai pas parlé des pensionnaires, anciens coupeurs de canne, qui gagnaient en pension de l'État dominicain et qui étaient en contradiction énorme. Parce que même l'État dominicain, qui est bâillé sa anti-pension, et on pense qu'on grappe d'ailleurs, a parlé d'anti-pension qui va arriver peut-être $30 américains le mois, ouais, et en même temps, l'État qui bat la pension, pas reconnaître qu'on est un immigrant légal. Donc, son contradiction est inacceptable. Donc, tout le monde n'est pas concerné par la déportation. Il est totalement injuste pour que l'État dominicain apprenne un ancien coupeur de canne qui vient faire toute ville, qui va être jeunesse et à l'industrie sucrière dominicaine pour t'a déporter Mounta. Donc, il y a tout ça. Il y a tout ça. Et que le président Abinader, au moment de la réforme, Aïe. Et communication vraiment est difficile avec M. Parizon. De toute façon, on va laisser les d'une Parizon. Oui. Et là, M. Parizon. Oui. Et maintenant, bon, nous faisons vraiment une interview à l'arraché. Et bon, mandon dernier petit parole et avant que nous allions. Mais nous voyons que l'autre jour, je m'en regarde un député dominicain, parce que je non. Qui était un discours très raciste par rapport aux Haïtiens. Et à ce qu'il paraît, une frange dans la société dominicaine qui est toujours anti-haïtien, est-ce que ça n'a pas qu'à freiner peut-être bonne volonté et Abinader pour avoir amélioré les relations entre Haïti avec la République dominicaine? Non, sinon on suit bien l'évolution du dossier haïtien en République dominicaine, nous prenons compte que immédiatement Abinader gagne l'élection, la question haïtienne a ressurgi et en force. Depuis, au lendemain de sa victoire, ce que anti-haïtien nationaliste, il n'y a pas arrivé à joindre pendant la campagne électorale, là, avec la pandémie, avec conseil de l'autre barrière qui était gagnée. Donc, il n'a pas arrivé à joindre pendant la campagne électorale, eh bien, c'est ça qu'il a fait qu'on y a là, mais pour deux raisons. Un, c'est pour contrecarrer, pour contrecarrer la décision du président Abinader et de son gouvernement pour mener à la justice les gens qui étaient responsables d'actes de corruption des gouvernements passés. Donc, pas oublier que le PLD se fait 16 ans d'affilée au pouvoir. Donc, il y a un pire scandale de corruption, particulièrement le scandale Odebrecht. Donc, les groupes ultranationalistes le font alliance avec l'opposition actuelle. Aïe. Et communication coupée d'aujourd'hui et Olivier, ça qui rend que la vie est plus difficile pour nous et n'a pas essayé les. Mais ce pari, ils ont sur l'autre ligne pour nous et ça a passé. Et parce que la communication n'est vraiment pas facile, je dis à la. Oui, c'est pacifique, M. Parizon. Nous essayons l'eau sur l'autre ligne. Nous souhaitons la vie passable. Très bien. Oui, ou tu as dit que. Son stratégie pour dévier l'opinion publique et pour bailler le gouvernement, l'autre occupation. Afin de réduire une possibilité pour que le gouvernement ait ouvert un dossier de corruption. Et ça c'est l'essentiel. Et deuxièmement, c'est une façon aussi de maintenir une certaine présence et politique de la part des groupes ultranationalistes et à partir de là, faire une série de pressions, une série de chantages sur l'actuel gouvernement. Donc, ça qui a passé là, son bagage hautement politique lié. Cependant, c'est très, très grave. C'est extrêmement grave. Et autorité dominicaine, ensemble avec société civile là, et ensemble avec autorité haïtienne, il faut que nous voyons qui stand qu'à faire pour nous gérer la situation. Parce que, qui impacte que ça a rien, premièrement, on appelle à la haine contre les Haïtiens en République dominicaine. Donc, son appel à la haine qu'a fait chaque jour. Alors, cet appel à la haine,
qui ça le provoquer qu'ay compatriotes nous yo. Il provoque une sorte de ressentiment contre les dominicains. Donc on pas que haïtien là, hein? D'ailleurs ou haïtien, ou haïtien qui gardien de building, ou haïtien qui chauffeur moto taxi, donc haïtien partout et donc nèg yo en même temps font appel à la haine contre les haïtiens, mais haïtiens eux-mêmes ils ont développé la caillou tout. Ils ont certains ressentiments contre les Dominicains. Donc, ce qui est extrêmement grave, extrêmement dangereux pour la cohabitation, pour la bonne convivialité. Troisièmement, qui ça a provoqué pour la République dominicaine? Ça a provoqué pour la République dominicaine une réapparition. Allô? Et bon, et problème de communication posé, même gens. Allô? Et problème de communication toujours aussi grave, qui a dit quelqu'un soit à côté, non changé là, bah, elle n'a pas changé. Et relé sur l'autre numéro, nous, bah, elle a toujours difficile. Et oui. Et dernier mot, oui, et Ren, ça a capable. Oui. Allô? Justement, provoquer le ressentiment de la part de nos compatriotes. Et troisièmement, cette situation qu'a provoqué en l'autre bagaille qui a continué grave pour la République dominicaine, c'est la réapparition de rapports de groupes de droits humains qui pral ternir l'image internationale de la République dominicaine et qui pral en même temps tout bien voir affecter le tourisme de la République dominicaine. Un tourisme qui est déjà sous le coup de la COVID-19. Donc c'est qu'on y a là. À cause de situation ça que n'est pas qu'à contrôler, si n'est pas arrivé à contrôler, tout groupe de droits humains internationaux qui est habitué à frapper la République dominicaine, ils pas recommencer à frapper. Et il y a des fois, y aller jusqu'à faire un boycott au tourisme dominicain. Alors que, qui ça Abinader a fait là, c'est relancer le tourisme fortement frappé par le COVID, par la COVID-19. Donc, alors, il y a tout ça que les dirigeants, je dois tenir compte de eux pour essayer de contrôler cette question de l'anti-haïtianisme, cette question de des appels à la haine totalement insensés qu'a fait contre la communauté haïtienne. Ça veut dire qu'il faut être très intelligent et M. Parizeau, dans la bataille ça. Oh non, extrêmement intelligent. Extrêmement intelligent. Nous d'accord, par exemple, qu'il y a des compatriotes qui étaient impliqués dans les cas d'assassinat. Et bon avocat dominicain qui mourut l'autre jour et dans des conditions on dit que il a impliqué des compatriotes haïtiens. Des fois c'est à tort, des fois il y a pas même une raison d'implication ça. Mais de toute façon ça pas qu'à justifier ni expliquer que à cause de l'implication d'un individu. Non. Aïe, bon là allô. Nous perdions l'autre fois encore et d'autres raisons. Et n'a pas quitté l'interview là. Et là, on a fait un petit problème et même en communication. Et qui a calé nous. De Olivier, on va observer notre deuxième et courte pause avant même d'ouvrir. Et bien, Jacques Lar n'a pas tourné tout de suite après et probablement prochaine fois avec de meilleures conditions et pour que nous capables de faire et interviewer ça à côté. Quand il y a une question qui est capable de poser sur le rapport entre deux pays, la pause, Olivier, à tout de suite. BNC et Cam Transfert décident de marier compétences et expérience pour résoudre le problème transfert. À partir de jeudi à même, ou Caman des Formes ou Axamou ou Kilot Bodlo, pour faire tout transfert pour vous dans Cam Transfert. Vous êtes capable de venir prendre dans BNC sans problème. Ou bien, tout faire déposer sous compte là, BNC. C'est le côté où vous avez garanti que vous avez un plus bon service. Et pas bonne nouvelle, vous avez demandé, mais bonne nouvelle. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Électricité son bagage courant, mais bon, ici, il est rare. Il y a deux jours, même lumière ou pas, ouais. C'est pas rien, non? Tu bignes grand monde. Tu fais ça à l'hôpital. Alors, nous-mêmes, les usagers du blackout, agissons grand monde. Alpon Delco Kubota, dans Automeka, sur route à l'aéroport. Dans n'importe zone, côté Gon Delco Kubota, blackout, tu pas qu'à réunir deux hommes bon poteau électrique. Blackout avec lumière, c'est deux bagages qui pas qu'à mêler. Si y'en a dans Vlemeléo, démêlez vite, Alpon Delco Kubota, dans Automeka. Souvelez, ouais, côté on blackout à chata. Lumon Kubota. Automeka, 22, route de l'aéroport, 29, 41, 25, 44, 29, 41, 25, 45.
Est-ce que vous connaissez les quatre côtés où pour aller, pour plus libre, pour pas obligé de sortir à la machine, si tout si vous avez braille bois, m'a parlé de Woulib. Woulib, c'est une application que vous téléchargez sur le téléphone, les mêmes gens à couvert. Premièrement, confirmez sur l'application à côté où vous êtes. Deuxièmement, mettez adresse ou bien côté où vous allez. Hôtel là, restaurant, bureau et latrier. Troisième témoin, ou a confirmé qui modèle machine ou voulez monter. Mais causé, déjà bon modèle machine à tout chauffeur qui t'a passé dans zone ou. En plus, ou a pour photo chauffeur avec machine qui vient chercher ou là. Il sac pire de là, ou a déjà connu combien coûte ça a coûté ou depuis en vent même yo vient chercher ou. Ou a ka payer cash ou bien à carte. Téléchargez kounye a même application Woulib là, Woulib. Woulib, sous Play Store ou bien sous Apple. Ça ouais, misère ou fini. Quelque là où qu'on besoin sorti, messieurs, oh, son tête chargée. En plus, gon question de m'pagé monnaie, madame. Ça fini. Woulib pour Kapilib. 49 35 76 76. Glamour, fashion, tendance and vintage, Bella Boutique a la baguette magique nécessaire pour vous transformer en ce que vous voulez. Trouvez la tenue idéale à Bella Boutique qui vous laisse un large choix de marques pour un mode qui vous convient et qui saura répondre à toutes vos envies. Passez la rue Panaméricaine, local Harry's Restaurant, suite 111 ou appelez au 42 64 03 03. Choisissez Bella Boutique pour se faire chic et se sentir unique. Côté mono capio rassemblé, rassemblé, Haïti rivé au Cap avec 87 chaînes. Mon Cap pral déchaîné. Passez près de l'Haïti pour là, la locale Access Haïti ou bien Aïnet qui pipe là. Ou carrément nous tout. La 2943 3000. Chut, on dit depuis l'appli tombé toute l'autre disparaît. Nous même télé Haïti n'a tout parapli. Avine dit ça. Le quotidien Le National est à la pointe de la technologie. Tapez dès maintenant www.lenational.org et lisez le journal sur votre smartphone ou votre ordi tout en écoutant la Radio Pacifique sur le 101.5 FM. Si vous désirez lire le journal au complet, sélectionnez Le Journal. Et ce n'est pas tout, Le National dispose d'une archive au bas de la dernière page. Ici, vous pourrez faire le tri du journal soit par numéro ou par date. Le quotidien Le National, plus près de vous, à travers la technologie. Suivez tous les samedis de 1h à 2h PM, Mise à jour. Mise à jour, une émission de technologie et de multimédia. Actualité, astuces pour les périphéries portables, laptops, imprimantes, logiciels et autres. Mise à jour, une émission de débat sur les technologies de pointe avec l'ingénieur Michael Boussicou. Mise à jour, tous les samedis de 1h à 2h PM sur Pacific FM. Radio Pacifique. Branchez, écoutez et puis tendez. Pacifique FM. Port-au-Prince, Jérémy, Okaï, Cap-Haïtien. Pacifique FM. Plateau central, Latimouni, Codipé, Fort-Liberté. Pacifique FM. Nip, Jacmel, et puis dans la diaspora, à même passion. Radio Pacifique FM. Notre passion. Radio Télé-Pacifique, l'unique transparence, la seule. La vraie station choisie parmi tant d'autres pour mieux vous édifier. Bien, à présent, on va ouvrir la page internationale de cette édition. Oui, la page internationale, elle est consacrée au premier débat. Oui, le premier débat tant attendu entre Joe Biden et Donald Trump. Jacques Lamboise. Oui, c'est le premier débat à Balguin. Et on dit que Donald Trump lui-même, c'est peut-être une possibilité que le gagne pour le capable de faire de tout écart dans le sondage qui gagne entre lui-même avec Joe Biden.
Faut dire que depuis 1960, il y a un genre de débat ça entre candidats et qui n'ont deux principaux candidats et qui n'ont course là et en parlant démocrate avec républicain et je dis à la nous pensons que dans Cleveland Ohio bah là pour basculer un côté de l'autre oui et la bascule débat très définitif par rapport à l'élection justement maintenant ça qui est important c'est des monde qui est habitué avec ça même si Joe Biden pas habitué en tant que président mais Joe Biden habitué à gagner des débats et télévisé en tant que vice-président parce que Joe Biden fait 8 ans quand même comme colistier et de Barack Obama. C'est-à-dire il saura de quoi parler. Et il participait dans deux débats avec deux monde qui étaient candidats pour venir ancien président. Vice-président. Justement. C'est-à-dire, et c'est son habitude. Mais maintenant, nous voyons que Trump lui-même, et contrairement à ce que l'on a pensé, en termes de goût, mais pour essayer de gagner. Et je dis à la exceptionnellement et billet et de pas bien faire le matin parce que page internationale là est importante et interview qui t'a pu découper avec Edwin Barrison fait que nous pas arrivé et fini à temps pour une page internationale là et puis pour une billet mon billet autant plus souple excusez-nous et pour matin ce n'est que partie remise et demain matin des sujets que nous avons pour aujourd'hui, n'a pas pour demain. Oui, et Trump hier, mon cher Mouri, nous t'attendons des nouvelles. Et puis Trump, où est-ce qu'il stratégie le dans maintenant bah là, il dit avant le débat soir, il a pas demandé pour faire un test antidopage pour Biden, pour le prôner. Qui ça Biden après, parce que il n'est pas qu'à comprendre que Biden gagne, on joue le mal presque pour mourir. Et puis le demain, où elle a une vivacité, une vigueur. Mais c'est plein d'attaques qui sont comme ça. Parce que la question, un gros problème que les États-Unis a fait face à eux, aujourd'hui, à la, et j'ai fait challenger, tant que la COVID-19, la gestion de, la, et de COVID-19, et comme si. Les tensions raciales aussi. Les tensions raciales, ils étaient très, très mal. Et géré par Trump, par président Trump. Donc, lui a essayé de définir leur stratégie et ou mettre compte sur lui. Et dernier rebondissement qui gagne, c'est quantité de copes qu'il paye comme taxe. Parce que chaque année, il toujours fait une bankruptcy. Ça veut dire que là, on dit qu'on fait une bankruptcy. C'est dit que l'entreprise est en faillite, l'entreprise n'est pas qu'à et payer tout comme ça. Donc, c'est ça qui arrive. Bon, en tout cas, ils sont des débats qui sont très, très, très animés. Et je dis à, et par deux, M. Sayo et Donald Trump et Joe Biden. Et je dis à là, en plus, on a posé peut-être un paquet de questions par rapport avec, et bien, enjeu qui est posé. Mais c'est comme si, par rapport avec et revirement qui était fait après débat entre M. Trump et Hillary Clinton et Jacques Amboise en 2016. Gagner des monde qui a pris une tête, est-ce que c'est pas même Barrella qui a le produit là? Parce que depuis début campagne, bien avant campagne même, eh bien, M. Biden était dans tête et pronostic pour arriver à gagner l'élection américaine. Et c'est presque même Barrella qui était fait avec Hillary Clinton. Et je dis à là, Donald Trump, il était confiant. Et bon, ça fait mal qu'il ait été confiant. Mais, contexte pas même. Contexte différent. Et président Trump a monté 4 ans de cela, il n'y avait pas autant de problèmes. Et puis, ce n'est pas lui qui était dans le pouvoir. Tout. C'est-à-dire, l'homme pas dans le pouvoir, il est plus facile pour shooter sur le monde qui est dans le pouvoir. Et à l'époque, il était qu'à shooter, red sous question Obama, il était mettre question sous question Obama, care, sur le problème économique qui était gagné aux États-Unis. Mais là, pendant 4 dernières années qu'il passait là, dans Maison-Blanche, si pas de COVID-19, si pas de tout problème tension raciale ça qui gagne et aux États-Unis question parce que économie hein, là a pour mauvais coup mauvais soufflette et aux États-Unis Trump
il pas très difficile pour te déloger dans maison blanche. Jusqu'à présent que difficile, mais il pas aussi difficile que et Jean le DEA. Et surtout, et yon nan bagay qui bay M. Traka, c'est sa mauvaise approche de COVID-19 qui fait que vraiment et c'est pas bon bagay kap facile pour lui pour sortir tête li nan gepye ça. En tout cas, et le débat se déroule aujourd'hui même, ce mardi à Cleveland à 21h et il sera et l'affrontement doit durer 90 minutes Jacques le temps d'un match de football, Et gon pa kek qui dit là et Biden il t'a supposé très très agressif par rapport avec Donald Trump. Donald Trump nous connaît que et qui lui-même déjà est très agressif et Biden qui lui-même capable de faire des répétitions pendant que Donald Trump lui il va improviser. Mais le rendez-vous est cassé pour 21h et l'affrontement, c'est comme je le disais, 9h d'Haïti. Oui, et doit durer 1h30, 90 minutes, avec 6 sections de 15 minutes consacrées au sujet chaud du moment, tel que le COVID-19, l'économie, les violences urbaines et le racisme. La Cour suprême aussi, Jacques Amboise, qui est prêt à le faire en pile débat par rapport avec et dernier et juge que Donald Trump choisit pour à le remplacer. Et juge Rutland, l'intégrité de l'élection et les bilans de Trump et Biden. Le modérateur Chris Wallace, c'est bien un journaliste de Fox News, mais un journaliste très respecté et qui a mis en difficulté Donald Trump cet été en le fact-checkant en temps réel sur le coronavirus. Et maintenant, lors de Fox News aux États-Unis, Fox News est républicain. Yeah. Fox News est républicain. Mais maintenant, ça n'a pas empêché que modérateur, c'est un journaliste qui travaille dans les médias pour indexer à républicain, à un parti. Mm-hmm. Mais il saura garder la distance. Yeah. Il saura poser les bonnes questions. Mais Jacques, si tu es dans le cas contraire, il n'est pas là. Non, oui, mais non, c'est pour montrer qu'en Haïti, je ne connais pas tout le temps à bien cacher mon bruit. C'est que la neutralité, ça n'existe pas. Mm-hmm. Ça arrive comme une composition tranchée. Mais ça n'a pas empêché que le cas prenne des positions qui est équilibrées. Et c'est ce que nous n'avons pas en Haïti. En Haïti, chaque fois que il y a des gens comme si nous posons des problèmes de façon manichéenne, blanc ou bien noir. Et alors que dans la société, il n'y a pas qu'à blanc ou bien noir. Il faut que nous posions pour le bien-être de la société en général. Bon, en tout cas, il n'a pas suivi pour nous capables de regarder. Et ça qu'a fait après-midi à qui ça prend le bail parce que après débat après sondage qu'a sorti rapidement évidemment. Et puis on dit que voilà comment c'était et ce débat entre Donald Trump et Joe Biden, les conseillers pris par des punchlines, mais souvent elles tombent à côté de la plaque, qui à savoir les conseillers de Donald Trump et de Joe Biden. Le public voit tout de suite quand elles sont forcées, avertit le coach, mais quand elles font mouche, ces attaques peuvent rapporter. Comme nous ne sommes pas les matchs, deux candidats. Comme nous ne sommes pas les matchs de football, nous avons souhaité son Barcelone-Bayern de Munich. Pour Joe Biden. Biden. Ah non, non, Biden. T'as souhaité son Bayern de Munich et Joe Biden, c'est Bayern de Munich et puis Donald Trump, c'est Barcelone. Oui, parce que là, ça t'a fait 8-2. Et puis ça t'a fait que et Biden prend une autoroute dans son sondage en attendant que le deuxième débat. C'est généralement le premier débat yo, et c'est trois débats à faire. Mais premier, il y a un très fondamental, très déterminant par rapport à deux l'autre. Parce que les gens qui attaquent et puis bien, ils mettent l'autre là sur la défensive pour l'obliger à le repliquer dans les prochains débats. En tout cas, Écoute Pelouzac, qui n'a pas souhaité bon débat avec deux messieurs. Et c'est sûr et certain que Gabriel Chet Télévision. Pour moi, on est d'avant, on va souhaiter bon débat à M. Trump. Vous prenez M. Trump, je ne sais, c'est parti en catégorie haïtienne après et choix de. Non, il m'a venu directement après choix de nouveau et juge que le fait pour la Cour suprême qui a adopté deux et haïtiens. Mettre là. Ouais, ça ne veut rien dire. En fait, dans 198 juges que Donald Trump nomme, et ça va le faire 199, c'est-à-dire il fait pour différents cours et aux États-Unis, dans le cours fédéral. Tout c'est blanc. Et blanc qui sortit dans. Extrême. Je ne parle pas d'extrême, mais la droite. La droite dure qui tend vers l'extrême droite. Ça veut dire que c'est un système. Et regardez, bon, moi, je vais m'adopter.
gen des haïtiens qui pi trompe que trompe oui gen des haïtiens mon connaît moi me parler avec yo et cap dit que yo pas connait ça ou ta bail ça ou ta fait pour trompe capable river non et par exemple Florida qui sont swing state c'est-à-dire que là du son swing state son state qui pas mettre et démocrate qui gagne et généralement c'est state ça qui détermine l'élection aux États-Unis swing state yo et puis y en a plus important yo c'est Floride ah ben jusqu'à présent Floride beaucoup gagne mettre yeah. Et le regard des haïtiens yo autant des émissions haïtiens on a radio et yo vraiment très dubitatif c'est-à-dire ou pourquoi ouais côté électoral dégagé clairement que après aller En tout cas, et capable aussi et deuxième dossier qui gagne dans chapitre international là, c'est et ça va passer en Biélorussie à et côté que Emmanuel Macron fourré toute colle nette Jack. Il fourré toute colle. Il fourré toute colle nette, c'est dit président démissionné mais c'est président prêté serment et prêté serment à cloche de bois. Elle dit c'est Liak moun ni qui était là. Oui, 100 000 femmes proches. Mais chérie, mais pouvoir papa. Ah ouais, comme ça va tout le temps ça, tout le temps. Et puis monsieur Macron, t'es gonti en t'es gonti la tête avec Slev Latana Tika Novskaya qui lui-même c'est principal opposante Biélorusse. Voilà, il a 8h Jacques n'a croisé demain. Oh, je dis à pas passer fête Saint-Michel. Saint-Michel Archange défendait nous dans les combats. C'est bon catholique. Apostolique et après midi à fond de l'église, oui, beaucoup connu. Bonne fête Saint-Michel, à tout le monde. Vous êtes sur Radio Pacifique. Pacifique. Red branché. On a tourné talent. Qui sort ce dim la magie? Comme quoi, en plus d'accéder à mes comptes, je peux aussi payer mes fournisseurs et n'importe qui a un compte à la Unibank. Mais oui, Sandra, c'est le service Pay Anyone de Unibank Online. Avec ton PIN de sûreté et en un simple clic, tu fais un virement sur le compte de ton choix avec Unibank Online et c'est un jeu d'enfant. Et ce n'est pas tout, ma chère. Ah oui? Gain toujours? Mais oui, ma chère. Avec le service Pay Anyone, tu as plusieurs options. Tu peux faire un virement ponctuel ou le programmer à une date ultérieure. Tu peux également effectuer des paiements automatiques en fonction de tes besoins. Liguer doigt chaque mois ou bien j'envelais l'an pour t'envelais l'an. Ah! Avec le service Pay Anyone de Unibank Online, je gagne du temps et plus question d'être en retard sur mes paiements. Unibank Online, c'est simple, rapide et pratique. Pour bénéficier du service Pay Anyone de Unibank Online, inscrivez-vous dès aujourd'hui sur le www.unibankit.com. Le choix est clair. Les produits Clarisse sont enfin disponibles en Haïti. Si c'est abonné Canal Plus, par CP abonnement. Avant si à nous couper pour juste semaine qui est content. Depuis ou par CP abonnement avant les semaines qui est content. Quand tu es en pichette gratis pendant 7 jours. Semaine qui est content. Canal Plus, Canal Plus, yeah. Semaine qui est content. Ça va te donner pour une abonnée. Semaine qui est content. Quand j'ai payé. Et puis gardez Bibli Chaîne pendant 7 jours grâce à Semaine qui est content. Semaine qui est content disponible dans tous les outils et dans le site Canal Plus. Pour toute information sur l'adresse nous, dans Port-au-Prince, dans la province, il est dans 2946-4141 ou soit aller sur www.canalplus-haïti.com. Moi, parle la toilette, mais c'est pas bien. Mais oui, nous même qui sommes qui sensibles pour famille, nous pas capable de servir à glory.
papier toilette là, napkin pour table là, c'est santé caille là, glorie c'est nombre mon affaire hygiène, il fait mix et tout, les baillons non, fillé, toi, joy, glacé, luxe, tout uni, col, serviette, papier glorie, produit local, cap, bail travail, et puis qui gros, qui petit, qui pour toute poche, toute commande, relé dans 28-11-0-4-44, 28-11-0-4-45, et dans toute boutique, dans toute la marche, la veille y a pas cher, à glorie. Le quotidien Le National est à la pointe de la technologie. Tapez dès maintenant www.lenational.org et lisez le journal sur votre smartphone ou votre ordi tout en écoutant la Radio Pacifique sur le 101.5 FM. Si vous désirez lire le journal au complet, sélectionnez Le Journal. Et ce n'est pas tout, Le National dispose d'une archive au bas de la dernière page. Ici, vous pourrez faire le tri du journal soit par numéro ou par date. Le quotidien Le National, près de vous à travers la technologie. Maman, car on machine, faut le faire crash check, ça c'est Subaru. Voum voum, papa, ça c'est Subaru. Yes, grippe mon nez, gars, tu sors Subaru. Pas que prendre un wash, j'aime Subaru.